Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici au stade de la Maladière sur les ondes de Lucarne Grenat. Comment vas-tu mon cher Thomas? Mais très bien et toi Ethan? Bah très très bien, très content de commenter ce match aujourd'hui. Alors c'est un peu particulier, nous sommes dans un stade à huis clos puisque nous sommes à Neuchâtel, mais pour une rencontre qui est d'Yverdon, donc qui reçoit Servette, puisque le stade municipal d'Yverdon est pas encore aux normes de la Super League. Alors que le speaker, vous entendez certainement son excuse. En tout cas, le stade d'Yverdon n'est pas encore homologué aux normes de la Super League. Du coup, en attendant que les Frérots terminent à Yverdon, IS joue justement ici à Neuchâtel. Exactement. Qu'est-ce que tu as de cette rencontre, Thomas? Bah écoute, une victoire, on va dire, parce que c'est vrai qu'en 4 matchs de championnat, Servette en a gagné qu'un seul en 3 matchs nuls. On reste sur 3 matchs nuls. La première victoire étant lors du premier match. Pour moi, la victoire est impérative aujourd'hui, surtout contre un concurrent déclaré au maintien plutôt qu'au haut du tableau. Quoi. On va gentiment, je pense. Est-ce que tu veux. Par quoi tu veux commencer? Est-ce que tu as une petite anecdote, une petite statistique écoute, ou est-ce que tu veux commencer peut-être par... Les duels entre Yverdon et Servette n'ont pas été très fréquents ces dernières années, étant donné que les deux clubs ne jouaient pas dans les mêmes catégories de jeu. Donc le dernier face-à-face dans un match officiel entre les deux équipes remonte à la saison 2011 en Challenge League. Une victoire de Servette 3-1 à l'extérieur. Et sur les 20 derniers matchs entre les deux clubs, Servette en a gagné 13. Il y a eu 4 matchs nuls et 4 défaites. 3 matchs nuls et 4 défaites, pardon. Donc, Servette par logiquement favori sur ce match. On espère que ça va tenir. Ils sauront tenir leur rang de favori. Et justement, si on veut ajouter un petit peu plus de chiffres à cette statistique, il faut savoir que dans l'histoire entre les deux clubs, en compétition officielle, donc pas de match amicaux, il y a eu 26 rencontres et 16 victoires pour les Grenats, 5 nuls, 5 défaites. Donc ça fait un ratio quand même de 61,5% de victoire pour le Servette FC. Et on espère que ce pourcentage va continuer d'augmenter après le match de ce soir. Et on va peut-être pouvoir parler un peu de cette équipe d'Yverdon justement qui a été promue champion de Challenge League la saison dernière. Et Yverdon qui est actuellement 10e, qui connaît un début de championnat correct, 4 matchs, 4 points. Comme tu disais, c'est un club qui va se battre contre la relégation. Tu penses quoi de ce début de saison d'Yverdon? Il est un peu en dents de scie. Ils ont réussi à arracher une victoire à Lausanne un peu contre le cours du jeu. Et derrière, ils arrivent à tenir en échec IB. Donc deux résultats très convaincants. Et derrière, ils prennent un 6-1 contre Lugano un peu de nulle part. Donc une équipe assez imprévisible, on a l'impression. Avec énormément de changements aussi, on va revenir dessus. 16 arrivées pour 13 départs. L'équipe a énormément changé pendant ce mercato. Donc je pense qu'ils doivent encore prendre leur marque. Et il faudrait en profiter vu qu'on est encore en début de saison. Il va falloir prendre ces 3 points aujourd'hui. Et justement, tu disais que la saison d'Yverdon était en dents de scie. Et pour illustrer ça, il faut savoir que Yverdon a fait match nul de partout à domicile face à Young Boys. Donc très bon résultat pour Yverdon. Mais a aussi. C'est incliné aussi au Cornalado sur le score de 6-1. Donc il y a un petit peu du très bon comme du très mauvais du côté d'Yverdon qui reste sur un dernier match, une victoire assez facile contre Haute-Gruyère en Coupe de Suisse, victoire 9-0. Et tu voulais parler un petit peu justement du mercato d'Yverdon. Oui, j'ai réussi à isoler quelques noms de leur mercato, donc notamment Ayman Mayous, donc international algérien qui les a rejoints très récemment et qui a marqué un triplé Luken passé contre le FC Haute-Gruyère justement. C'est un attaquant international algérien qui plus est à surveiller clairement. Et après on a aussi des recrues qu'on connaît mieux de notre côté avec Servette. Je pense notamment à Cespedes et Tazar. Cespedes, voilà, on va plus vous présenter. Il a joué ces 10 dernières années avec nous, donc pas grand chose à vous dire de plus. Et Varel Tazar, on avait eu lors de notre remontée en Super League, c'était notre première recrue importante, on dira, et qui avait fait une saison plutôt correcte, mais qui nous avait quitté à la fin de la saison pour rejoindre le FC Lucerne. Il reste sur une saison en prêt à Arau, et là, en 4 matchs, il a déjà marqué 2 buts en championnat. Donc c'est un élément d'Yverdon à surveiller aujourd'hui. Ouais. Et dans ce mercato d'Yverdon, c'est un mercato assez intéressant parce que c'est très, très éclectique. On a été chercher un petit peu partout sur la planète des joueurs. On a deux jeunes Algériens, un Italien, un international slovène,
un Camerounais. Enfin, on va chercher un petit peu des joueurs partout. C'est assez folklorique. Ou quelqu'un qui vient également du Victoria Pilsen. Ou quelqu'un qui vient de Huesca en Espagne. Et Gunnarsson qui vient de Suède. Enfin, un prêté de Liverpool, un jeune de Liverpool. Exactement, aussi. À Yverdon. C'est un mercato très surprenant de la part des Vaudois. Et on va voir ce que ça peut donner pour cette équipe entraînée par Marco Schilliberm, qui était passé 4 saisons au Servette FC en tant que joueur et qui a également, été entraîneur du Servette FC. Exactement, 2003-2004 en Ligue nationale. Non, déjà la Super League à l'époque. Et d'ailleurs, y a beaucoup d'anciens Servettiens du côté de d'Yverdon. William Le Pogam, qui est le capitaine d'Yverdon, qui a joué au Servette FC, évidemment Anthony Sautier et Boris Cespedes. Bien sûr. On a également Ricardo Alves, qui a joué la dernière saison du côté de Saint-Gall et qui se retrouve du coup à nouveau dans un club évoluant en vert avec Yverdon. Hugo Fag, Paul Tazar, Christopher Longoï sont les autres anciens Servettiens qui complètent l'effectif d'Yverdon. Et on va gentiment pouvoir passer au compo d'équipe peut-être. Bah écoute, volontiers, on va peut-être commencer avec Yverdon, étant donné qu'on est à l'extérieur. Donc le 11 titulaire d'Yverdon avec le gardien Kevin Martin, le défenseur central Dario Del Fabbro, Boris Cespedes, William Le Pogam, capitaine, passé aussi par le Servette FC, Niklas Gunnarsson, une des nombreuses recrues d'Yverdon. Un Suédois, Varol Tazar, Anthony Sautier, Samuel Umguetz, Evans Morin, Ayman Mayous et Christopher Lungoy en titulaire. Et en remplaçant, nous avons Sébastien Breza, Mauro Rodriguez, Dominique Cornes, prêté par Liverpool, donc Aitem Lucif, Johan Curry, Ricardo Alves, Nehemi Luziona et Mihael Klepach. Donc voilà, pour la composition de Marco Schilliberm et d'Yverdon. Et on va passer gentiment au Servette FC. Donc dans les buts, nous avons Joël Mal, toujours titulaire, hein, Jérémy Frick étant blessé. Une défense centrale composée de Rouillet et de Séverin, Mazikou sur la gauche, Jouillot sur la droite. C'est une composition quand même plutôt classique, hein, pour très le moment, classique, du côté du Servette FC. Doulin, Cogna au milieu de terrain. Sur les ailes, nous avons Guimono à droite, Kuteza à gauche et le duo Bézière-Crivelli en pointe. Donc une composition totalement classique, hein, de la part de René Weiler. C'est clairement la compo c'est son type du SFC qu'on va retrouver ce soir. Sur le banc, nous avons Gaël Ondoua, Anthony Baron, Boubacar Fofana, Rony Rodelin, Samba Lelediba, Léo Besson, Houssein Touati et Jérôme Onguéné. Donc voilà, pour l'équipe de René Weiler, encore beaucoup de blessés qui vont gentiment revenir. On sait que Miroslav Stanovic sera absent pour environ une dizaine de jours suite à sa légère blessure contractée contre Merin. Et les autres joueurs, on pense notamment à Antunes, Tsunemoto, devraient pour certains, notamment Antunes, être de retour pour le match contre IB la semaine prochaine, on espère. C'est ce qu'il nous avait annoncé il y a quelques jours au stade. Donc, et Jérémy Frick aussi qui est gentiment sur la voie de la guérison, il arrive, il devrait réintégrer l'effectif prochainement quoi. Ouais. Un joueur pour lequel rien n'est moins sûr, c'est Alexander Lung, qui lui alors est encore en béquille, encore une botte autour de son pied. Ouais, il en a encore pour quelques semaines en tout cas, hein, parce que là il n'a pas l'air prêt de recommencer la course en tout cas. Ouais. Donc voilà, c'est très embêtant pour ce jeune joueur de 18 ans, le Danois, qui allait vivre sa deuxième expérience professionnelle et sa première expérience hors du Danemark. Et surtout qu'il avait fait une pré-saison vraiment très intéressante avec plusieurs buts et on se réjouissait de le voir en action. Malheureusement, une blessure, sauf erreur aussi, une fracture du métatarse, si je dis pas de bêtises. Et pendant que les remplaçants du Servette FC rentrent sur le terrain, je te propose qu'on parle quand même du départ de Patrick Fluquet. Ouais, bien sûr, ouais. Eh bah, on s'y attendait, on l'a senti un peu venir, on va pas se mentir quand même, il avait très peu de temps de jeu depuis le début de la saison. Forcément, Patrick Fluquet est un joueur qui a envie de jouer et qui veut être titulaire, donc on peut comprendre son envie de départ. Maintenant, c'est un petit peu dommage, il restait sur une saison tout à fait correcte pour une première saison, je sais pas ce que tu en penses, mais... bon vent à lui en tout cas et on lui souhaite de la réussite. Sa première et sa seule saison au Servette FC était quand même très correcte. Toute compétition confondue, nous avons eu droit à 9 buts et 6 passes décisives. Ce qui est quand même extrêmement correct pour un joueur découvrant le championnat. Totalement, ouais. Et simplement je pense qu'il ne rentrait pas dans les plans de René Weiler et que lui voulait jouer. Donc son départ était...
logique. Était assez logique. On parle d'une somme autour de 500 000 euros, ce qui, je pense, est quand même très positif pour le club. Oui, oui, ça reste un départ qui contentera, à mon avis, tout le monde à terme. Ouais. Et les remplaçants d'Yverdon qui feront leur entrée sur la pelouse. Et j'ai l'impression que les titulaires aussi, gentiment. Ça me permet de juste glisser une petite fun fact, on dira. Une des recrues d'Yverdon, Samuel Umguet, donc international camerounais, était titulaire en Coupe du Monde contre la Suisse lors du match d'ouverture. Donc plutôt un heureux hasard de le retrouver dans le championnat suisse quelques mois plus tard. Ouais. Surtout qu'il était dans la même sélection que Gaël Ondoa. Jérôme Onguené n'était pas là. Jérôme Onguené, non. Mais ils ont certainement joué ensemble. Probablement. Donc voilà, une anecdote, un fun fact très intéressant. On peut parler aussi des arbitres de la rencontre. L'arbitre principal sera monsieur Lionel Chudy, assisté de Mathias Sbriza et Nicolas Tuberosa. Et nous aurons le quatrième arbitre, Maxime Audier. Voilà pour le quatuor expérimenté qu'on connaît assez bien. Ouais, voilà pour ce qui est des arbitres de cette rencontre. 2 minutes encore avant le coup d'envoi de cette 5e journée de Super League. L'occasion également de dire que Young Boys et Lugano ne jouent pas cette semaine. Le match a été reporté au 6 décembre. Effectivement. À cause de la Coupe d'Europe, un choix assez surprenant puisque Lucerne et Servette ont également fait des phases qualificatives de Coupe d'Europe, mais eux n'ont pas eu le droit à ce report de match qui aurait pu être quand même bien utile. Bien sûr. Et les deux équipes font leur entrée sur la pelouse et on peut voir Servette dans la nouvelle tunique rose. Très très belle. Très beau maillot. Hein. Ouais, première fois qu'il le porte aujourd'hui avec le short noir qui fait. Son plus bel effet aussi, c'est vraiment vraiment sympathique. Ouais. Mmh. On n'a pas l'habitude de voir Servette comme ça, il va falloir s'habituer cette saison. Ouais. Bah ouais, non, c'est clair, mais j'aime énormément. Alors oui, ça ressemble à l'Inter Miami, oui, on est d'accord. Oui. Mais au-delà de ça, le short noir avec les traits roses et les chaussettes aussi sont vraiment vraiment très jolies. Ça donne vraiment très bien, ouais. 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 Donc c'est vraiment très sympa cette tenue du Servette FC. Alors qu'Yverdon va jouer en vert avec alors. Le logo simplifié, juste le IS d'Yverdon. Il est très classe, moi j'aime beaucoup. Cas, ouais, vraiment. Il fait aussi son effet, ouais. Donc, le maillot d'Yverdon est vraiment, vraiment sympa aussi. assez rétro comme ça. C'est sympathique. Et ça va donc gentiment partir les joueurs qui check l'arbitre. À signaler que pour la première fois de la saison, Servette a vraiment eu toute une semaine de préparation pour un match de championnat, contrairement au match précédent où il y avait un match européen qui s'intercalait entre deux matchs de championnat. Donc, et c'est vrai que René Weiler a également pu faire un petit peu tourner face à Mérin en coupe, un match très tranquille pour le Servette, c'est remporté 8-0 face aux Mérinois. Et d'ailleurs, pour parler de la coupe, on peut rester là-dessus, hein, Servette qui affrontera Bulle entre le 15 et le 17 septembre. On va sentir qu'il y a plus de chances que ça se trouve autour du 17 septembre. Les dates sont sorties hier, ce sera le 16, donc le 16. Vendredi 16. Voilà, magnifique, alors merci beaucoup. Mais malheureusement, un vendredi, il y aura peut-être un petit peu moins de monde que si le match avait été le lendemain, étant donné que tout le monde travaille. Mais sinon, un beau tirage, je trouve sympathique d'aller jouer une autre équipe romande, c'est toujours chouette. Et en plus, des équipes qu'on connaît moins comme Bulle, ça s'annonce un beau match de Coupe Suisse en tout cas. Ouais. Est-ce que tu as l'heure du match déjà ou 19h. 19h ou 19h30, j'ai plus l'heure exacte, mais. Très bien, très bien. Et Lionel Tudy qui va poser le ballon au milieu du terrain. Oui, les deux équipes qui se concertent et on va pas tarder pour lancer cette rencontre de Super League. Un petit pronostic, mon cher Thomas. Ouais, moi j'ai envie d'être optimiste, je vais dire 3-1 pour Servette. Ok, alors moi je vais partir sur un 2-0, comme ça on n'a pas totalement le même résultat. À noter qu'il fait plutôt frais ici à Neuchâtel, on n'a plus l'habitude depuis quelques jours, là. Bon, ça fait du bien de retrouver un peu de fraîcheur, mais là on a dû mettre la veste carrément. Donc, là on n'est plus vraiment au mois d'août, on est plus février, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais ça va partir avec Boris Cespedes, un ancien Servettien et international bolivien qui va lancer le coup d'envoi de cette rencontre. On est content de le voir en Super League encore. Hein. Ouais, il mérite de trouver un club ici et Yverdon, c'est vraiment chouette pour lui. Ouais. Qu'on remercie encore pour les services rendus du côté du Servette FC. Il a quand même fait énormément de divisions avec les Grenades. Un membre historique du club, ouais. Et c'est parti, pour ce match de Super League avec un ballon sur la gauche de l'attaque d'Yverdon, Longueuil qui
perd le ballon face à David Doulin. Doulin qui rate un petit peu sa passe, dégagement de Konya contré, et ce ballon qui va revenir au milieu de terrain sur Boris Cespedes. Boris Cespedes qui continue sur le côté gauche, qui va servir Lopogam. Cespedes à nouveau, et on va repartir à la ligne médiane. Et ouais, Del Fabbro qui change le jeu, ça repart du côté droit, ou une glissade là de la part du défenseur suédois d'Yverdon, mais ça revient sur le gardien Kevin Martin. Et Kevin Martin qui dégage les Vaudois, ça va arriver sur le côté droit. Sautier qui gagne son duel de la tête, alors que nous il s'envole. Ouais. Et on repart, on dédouble avec Anthony Sautier, et ça va être un poil long, et Sautier qui va obtenir le corner. Alors qu'il ouais, il avait de la peine à se relever, Anthony Sautier, mais... Premier corner du match. Ouais, ça va être le premier corner, et il sera pour Yverdon. Première alerte, la défense doit bien communiquer. Yverdon qui commence fort en cette première minute de cette rencontre. On va essayer de coincer ses feuilles, parce que c'est... tout va s'envoler sinon. Un gros coup de vent sur Neuchâtel, là, ouais. Alors que... c'est parti pour ce corner, c'est Valtazar qui va le tirer. C'est joué à deux. Et Longoï qui essaye de défier Konya. Longoï qui élimine Konya. Attention à Longoï qui est passé. Le tir. Attention et c'est goal. 1-0. Ouverture du score de Christopher Longoï qui a parfaitement joué le coup. Yverdon qui joue à deux et qui peut dédoubler. Enfin, Longoï qui dédouble tout seul sur le côté, qui se fait arrêter par personne et qui finit par tenter sa chance, à raison. Il a pu passer trop facilement dans c'est cette ça, défense. Vraiment, ouais. On n'avait pas l'air de s'y attendre du côté de Servette, on s'attendait à un centre et ça l'a laissé jouer malheureusement. Ouais, c'est déjà 1-0 pour Yverdon après moins de 2 minutes de jeu. Ouais. Pour l'équipe Tirreno Sport FC. Et bah, ça annonce la couleur, rien ne sera facile aujourd'hui. Il va falloir aller chercher, il va falloir donner plus pour aller chercher ces 3 points. Alors le speaker part extrêmement fort. Le speaker est assez enjoué. Mais la défense de Servette là qui était totalement apathique hein, face à Longueuil. Et il va falloir rentrer tout de suite dans ce match pour les Grenats. Vouilleux avec Steve Rouillet. Steve Rouillet qui va jouer sur Johan Séverin. Qui va remettre en retrait. Rouillet qui va essayer de relancer le bloc, qui est capitaine hein, du Servette FC ce soir, Steve Rouillet. Nicolas Vouillot qui cherche Guimeno. C'est dégagé par le Pegam, c'est mal dégagé, ça revient sur Konya. Guimeno qui sert Bedia, ça joue bien là, ça dédouble bien c'est avec bien. Timothée Konya. Bedia à nouveau pour Guimeno qui garde ce ballon, frappe oui. De Guimeno, ça arrivait dans les gants de Kevin Martin, mais c'était bien de prendre cette frappe. Première Jérémy frappe cadrée du match pour les Servettiens avec un bon mouvement collectif entre notamment Konya et Bedia qui aboutit sur cette frappe un peu excentré de Guimeno. Mais c'est bien de mettre en alerte tout de suite Kevin Martin, montrer que les intentions servettiennes sont très offensives, mettre un peu de pression sur le gardien adverse. C'est ça, ouais. Et Yverdon qui va tenter de relancer la contre-attaque. Et Bradley Mazikou qui va obtenir la touche. Alors qu'on veut déjà pas donner le ballon du côté d'Yverdon. Enfin, le Tazar qui commence à temporiser à la troisième minute de jeu, ça fait un peu tôt. Hein. Ouais, c'est peut-être un record. On n'a pas encore vu ça de la part de l'ancien joueur d'Ara, de Lucerne et du Servette FC. Avec Koutessa harcelé par Sautier à mi-terrain et Longoï qui fait l'effort défensif avec Vouillot qui peut centrer, c'est trop long. Et directement dans les gants de Kevin Martin. Et Cespedes qui va jouer sur la gauche avec Lopogam. Lopogam qui rejoue en retrait sur Kevin Martin. Kevin Martin au pied qui est mis sous pression par Bedia. Oh, c'est bien ça, il faut mettre de la pression. Déstabiliser un peu ce gardien. Et ça c'est oui. Konya qui redistribue sur Koutessa. Koutessa assez centré qui. Ouais, c'est récupéré par Yverdon. Et je tenais quand même à le dire, bah, du coup, comme vous l'avez entendu, le stade est à huis clos. Du coup, c'est très intéressant parce qu'on entend absolument tout ce qui se dit, que ce soit sur les bancs de touche ou sur le terrain. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Qu'on n'avait plus connu depuis le Covid. Hein. On va pas non plus s'en plaindre. Hein, mais... Non, alors on va pas s'en plaindre clairement, mais je trouvais quand même assez intéressant bien quand sûr, on entend ce qui se dit sur le terrain. Mais on est totalement d'accord que nous allons pas nous en plaindre. Et le Pogam qui est à la remise en jeu. Manque de mouvement du côté d'Yverdon. Ouais, il n'y a pas beaucoup de solutions hein, pour l'ancien Servettien. Ouais, ça joue avec Cespedes. Cespedes pour le Pogam. Oh. Ah. Problème de ballon, visiblement. Le ballon est. Ah non. Pas compris. Ouais, problème de ballon, effectivement.
compris ce qui se passait là. Il y avait une espèce de blanc très bizarre du côté du terrain. Bref, c'est ça. Ouh, la ceinture. Dans tous les cas, faute. Non, pas de faute selon monsieur l'arbitre. Et hors jeu de Chris Bedia. Ouais. Selon l'arbitre de touche. Et ouais. Kevin Martin qui va pouvoir dégager l'équipe d'Yverdon. Avec Del Fabro qui va rejouer sur Kevin Martin. Et on va éviter que tout s'envole à nouveau. Beaucoup de vent du côté de Neuchâtel. Avec Mazikou à présent. Mazikou qui va essayer de dégager. Qui cherche Konya. Mais c'est Cespedes qui va s'interposer la tête. Superbe geste là de David Doulin qui n'était pas facile. Mais David Doulin qui récupère le ballon. Qui lance Kuteza. Qui peut prendre de vitesse Sautier. Oui, c'est fait. Oui, il passe devant Sautier. Sautier en difficulté. Kuteza face à Kuteza. Aïe. Il avait littéralement mangé Anthony Sautier là à la course d'Eric Kuteza. Oh, faute, monsieur l'arbitre. Non, pas de faute. À la limite de la surface de Le Pogam. C'est dommage, pas sanctionné hein. Par l'arbitre. Mais alors que Kuteza nous avait fait un magnifique dédoublement du côté gauche en prenant véritablement de vitesse Anthony Sautier. Mm-hmm. Et qui aboutit malheureusement sur un poteau. On était pas loin. Kevin Martin était totalement battu. Il n'avait pas bougé le gardien d'Yverdon. Et touche pour Servette. Non, la touche, non, il me semble qu'il était Servette. La touche est Servette, à mon avis aussi. Ouais, il me semble bien que c'est un joueur d'Yverdon qui touche ce ballon dernier. Mais non, pas selon le corps arbitral. C'est dommage, mais en tout cas nous avons eu quand même la première grosse action du côté des Grenats avec ce poteau de Derek Kuteza. Derek Kuteza qu'on avait annoncé du côté de la Turquie, et c'est vrai que ces derniers jours il y a eu moins de rumeurs à ce sujet. Hein. Ceinture, ouais, effectivement. Alors que là, Vouillot est victime d'une faute à 40 mètres du but. Ouais, mais c'est vrai qu'effectivement Kuteza était annoncé suivi par Galatasaray. C'est une rumeur qui nous avait un petit peu inquiété, on va pas se mentir. Avec son très bon début de saison, on a bien envie de voir continuer l'aventure chez nous. Et d'ailleurs, autre rumeur, celle de Chris Bedia du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Hein. Exactement, ouais. On n'est pas étonné qu'il soit suivi par plusieurs clubs avec la fin de saison et son début de saison actuel qui sont très convaincants. Ça, c'est normal. Et Konya qui va préférer jouer ce coup en retrait avec Bradley Mazikou. Konya, il a pas énormément de solutions. Là, il est face à Longueuil. Ouais, il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Ou alors qu'il se fait de Longueuil. Il a faute, monsieur l'arbitre. Non. Mais pas selon le corps arbitral. Attention à la contre-attaque là avec Mayus face à Doulin. Mayus qui passe. Ouais, et qui va passer Bradley passe, Mazikou. Avec un peu de chance là hein, sur le rebond. Ouais. Il y a une faute ou peut-être une main. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Ouais. Peut-être une main, effectivement. Je me permets juste de boire un petit coup, je te laisse commenter la prochaine action. Alors que Vouillot va nous permettre de dégager pas beaucoup de mouvement côté Servette. Il faudra offrir une solution à Nicolas Vouillot. C'est fait avec Bedia. Bedia pour Konya à mi-terrain. Konya qui peut garder le ballon, qui redistribue sur Mazikou sur le côté gauche. Mazikou avec Konya. Konya qui doit revenir sur Johan Séverin. Alors qu'on peine à trouver de la solution, peu de mouvement chez les joueurs offensifs servettiens. Avec Crivelli qui est revenu très très bas sur le terrain, presque à la hauteur de Johan Séverin. Johan Séverin qui joue sur la gauche justement, et ça va être coupé par Anthony Sautier qui envoie ce ballon en touche. Et Bradley Mazikou qui va pouvoir effectuer justement cette touche. Je suis vraiment désolé que ça tombe sur vous parce que avec Doulin pour Rouillet qui progresse dans le terrain adverse. Vouillot. Vouillot qui est obligé de revenir sur jusqu'à Joël Mal. Pour l'instant le bloc vert est très bien en place, hein. Il va falloir trouver la clé là pour le contourner. Alors que Konya est très très mobile. Ah, attention, mauvaise passe en retrait de Konya qui peut peut-être profiter à Mayus. Non, c'est récupéré par Mazikou. Heureusement, ça pouvait être dangereux. Joël Mal, très très bon au pied. Joël Mal là, qui peut donner ce ballon sur Vouillot qui rate un petit peu sa relance. Mais Joël Mal au pied, c'est quand même très intéressant. Hein. Et des deux pieds en plus. Hein. Non, c'est vrai que c'est un gardien assez complet pour l'instant de ce qu'on voit de lui. On n'a pas grand chose à dire. Moi j'aime beaucoup son jeu au pied en tout cas. Mm-hmm. Je trouve ça très intéressant. Avec Le Pogam qui effectue cette touche en direction de Mayus. Gros duel de la tête entre Longueuil et Vouillot. Et ce ballon sera pour Yverdon. Oui, Yverdon qui grappille petit à petit quelques mètres.
Alors que là, un gros pressing servetien et ça peut repartir pour Yverdon de côté droit avec Anthony Sautier. Sautier au duel avec Coutez. Sautier qui revient sur Cespedes. Cespedes pour Mayus. Cespedes qui déboule à gauche pour Lopogam. Lopogam qui centre. C'est pour personne et ça repart en touche pour les servetiens. Il y aura donc une touche sur le côté gauche, près du poteau de corner, qui va être effectuée par l'international congolais Bradley Mazikou. Ancien joueur de Laris Salonique en Grèce. Cinquième du dernier championnat grec. Ouais. Exactement, qui a été formé du côté de Lorient. Bradley Mazikou, qui joue avec David Doulin. Et nouvelle touche pour le Servette FC. Ouais. On grappille mètre par mètre. Un peu comme on peut, ouais. Ouais, pour essayer d'avancer sur le terrain. Et là, c'est Bediado au jeu. Il y aura une faute d'Anthony Sautier. Beaucoup d'engagement de la part des joueurs d'Yverdon en ce début de match. Ouais, on essaie vraiment de tenir chacun son joueur. Et c'est vraiment un bloc intéressant de côté d'Yverdon, la façon dont il se positionne. Brouillé, c'est bien joué. Il est retenu par le maillot, Chris Badia, là. Pas sanctionné par l'arbitre, mais il aurait pu jouer ce ballon. Mais le Pogam là qui est mis sous pression, ça on va revenir sur Kevin Martin. Crivelli. Qui est mis sous pression par Crivelli. Crivelli qui effectue un bon pressing, on a l'habitude de le voir presser de manière assez impressionnante. Mais ça pourrait déstabiliser la défense yverdonoise. Hein. Alors que là on est de nouveau dans le conservétien jusqu'à Joël Mal. Joël Mal au pied qui peut redistribuer à Séverin. De nouveau peu de mouvement. Hein, il va falloir que quelqu'un allume une étincelle là. Avec Nicolas Vouillot qui face à Lopogam, il n'a pas de solution. Nicolas Vouillot, il est obligé de rejouer en retrait pour Johan Séverin. Et Johan Séverin qui cherche une solution. Il va jouer avec Timothée Cogna pour Bradley Mazikou. Bradley Mazikou qui envoie ce ballon contre Anthony Sautier pour obtenir la touche. Touche servetienne à 35 mètres des buts. Peut-être. En tout cas, on n'a passé qu'une seule fois par le côté et ça avait semblé fonctionner. Pour l'instant, on essaye plutôt de. De jouer dans l'axe, effectivement. Encore avec un long ballon pour Bedia, qui peut être victime d'une faute à l'orée de la surface. Non, selon monsieur l'arbitre. Écoutez, il est face à au duel. Face à. Non, Gunnarsson, effectivement. Ouais. Là, ça repart en contre avec Varoltazar sur le côté droit. Varoltazar en 3 contre 4 pour les Servetiens. C'est pour Lungoy. C'est bien joué. Lungoy qui contrôle. Non, c'est récupéré par les Servetiens. Mais c'était très dangereux. Hein. Une belle contre-attaque yverdonoise. Alors que là, il y a une faute sur Timothée Cogna. Varoltazar qui n'a pas laissé la contre-attaque se jouer. Ouais, attention, il va falloir faire attention à ne pas se faire prendre en contre de la sorte. Mm-hmm. Parce qu'on a vu que ça allait très vite. Hein. Et en parlant de contre-attaque et de vitesse, c'est vrai que on avait vu, comme tu l'as dit, hein, ce ballon sur le côté pour Darek Kuteza qui, à la vitesse, a vraiment éliminé sans trop de problèmes Anthony Sautier. Donc peut-être qu'il faudrait rejouer sur ce côté-là, forcer un petit peu du côté de Darek Kuteza. Avec Cogna qui cherche des solutions, il retrouve Gimeno qui est redescendu dans l'axe. Lui qui, en ce début de saison, joue milieu droit hein, en l'absence de Miroslav Stevanovic. C'est pas un poste auquel il a l'habitude de jouer, mais. Mais pour l'instant, voilà, ils sont contents en absence de Stevanovic, comme tu l'as bien dit. Et Rouillé qui va remettre avec Johan Séverin. Johan Séverin qui cherche une solution et il va jouer avec Bradley Mazikou. Bradley Mazikou qui remet pour Derek Kuteza. Ouais. C'est difficile hein, de trouver des failles dans cette défense d'Yverdon. Et c'est vrai que ça va être. Manque peut-être un peu de rythme. Hein. Il faut mettre un peu de rythme dans ce match. Il faut essayer d'emballer un petit peu ce match. Un peu, ça joue sur un faux rythme hein, en ce moment avec Crivelli qui. Ouais, c'est triste, souvent des longs ballons dans l'axe et on a de la peine à en faire quelque chose pour l'instant. Et là, une remise en jeu pour Yverdon avec Kevin Martin. Et Kevin Martin qui a un joli maillot, j'aime bien ce maillot bleu de gardien. Ouais, c'est le petit côté. le petit côté style du jour. Voilà, aujourd'hui, on aime bien les maillots, hein, voilà, que ce soit d'un côté comme de l'autre. La petite minute chiffon hein, de ce live, Lucas Vona. Vous aurez tout vu chez nous. De toute façon, vous en avez l'habitude maintenant. Hein, ouais, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, d'ailleurs, on vous remercie de votre fidélité.
Et c'est reparti dans cette rencontre avec Steve Rouillet pour Nicolas Vouillot. Oula, Nicolas Vouillot. Ouais, ça c'est une passe. Pas pris de risque en tout cas. Hein, mais ouais. Une chandelle pour Joël Mal. Hein. Ouais, là c'est de nouveau joué long dans l'axe par Johan Séverin qui en avait trouvé quelques-unes. Hein, des belles ouvertures comme ça. Oula, gros contact entre Crivelli et Lungoy. Mm-hmm. Crivelli il va pas à moitié hein, quand il va sur l'homme en général. Non, c'est. C'est un bon morceau. faut pouvoir intercepter. faut pouvoir recevoir un coup de Crivelli, faut être prêt. C'est sûr. Et ce ballon là qui traîne au milieu de terrain. Oh là, ouais. Et c'est le numéro 70, Diverdon. Evans Morin. Ouais, exactement, Morin, merci beaucoup. Ça arrive, des petits bugs de temps en temps hein, pour nous aussi. Ouais, toujours Lungoy qui est très intéressant sur ce début de match. Je sais pas ce que t'en penses, mais vraiment, il y a un peu partout, que ce soit dans l'axe, sur le côté gauche. C'est lui qui a l'initiative sur le but. Donc, ouais, exactement, lui qui est revenu de la Juventus, tout comme Yannick Cotter. Exactement, ouais. Aussi, qui est de retour. Ancien joueur de FC Sion, qui est de retour en Suisse. Yverdon a décidé de lui offrir une chance. Ouais. Ouais, mais il n'est pas encore sur la feuille de match. Hein. Il n'est pas sur la feuille de match aujourd'hui. Ouais. Et Gunnarsson qui va relancer les affaires d'Yverdon avec Cespedes. On rejoue sur le côté droit à présent d'Yverdon. Avec Unguet qui cherche des solutions. On va remettre avec Cespedes qu'on revient en retrait pour Delfabro. Delfabro lui aussi est une nouvelle recrue qui provient de Cittadella en série B. Ouais. Pas mal de joueurs qui viennent directement de série B. Ouais, là, c'est récupéré par les Servettiens. Avec Konya qui peut repartir de l'avant. C'est tout de suite récupéré. C'est bien joué de Lopogam qui récupère ce ballon sur Timothée Konya. Et là, ça repart avec Kevin Martin dans le camp Yverdonois qui relance au pied pour Cespedes. Et ça a cassé directement une ligne, cette relance de Kevin Martin. Et d'ailleurs, c'est toujours lui qui a le ballon à présent. Et il va relancer sur le côté gauche, ça passe le milieu de terrain, mais oui, il va donc arriver à garder ce ballon avec le news. Et il y aura une faute de David Doulin sur l'Algérien. Il en rajoute passablement, il n'y avait pas une si grosse faute que ça, mais bon, voilà. C'est de bonne guerre, on dira. C'est le foot. Et là, c'est Cespedes qui laisse à Delfabro le soin de remettre ce ballon en jeu via ce coup franc à 45 mètres des buts. Et c'est joué directement pour Sautier, main de la part de Mayus, là, non. Il est possible, en tout cas, Johan Sévran a réclamé quelque chose. Ah, alors c'est bien joué, attention dans l'axe pour Lungoy à l'extérieur de la surface. Oh, superbe le retour de Steve Rouillet là. Magnifique retour défensif de Rouillet, heureusement qu'il est là, hein, parce que la frappe semblait très bien partir. Ouais, il a Bedia qui rate son contrôle. Et c'est vrai qu'il y a du mal face à cette équipe d'hiver, dont Lopogam dans la profondeur. Mayus le sarouillé. Mayus qui passe, attention, faut faire quelque chose. Le centre et le sauvetage de Johan Sévran. On était pas loin du 2-0. Ah, en tout cas, on est plus proche du 2-0 que du 1 partout. Ah, effectivement, là c'est un peu la panique dans la défense genevoise. On se dégage un peu comme on peut avec un ballon qui traînait dans les 6 mètres. Et Johan Sévran passait par là, heureusement pour les Servettiens. Ouais, c'est difficile en tout cas pour Servette. Alors que Yverdon s'apprête à nouveau jouer le corner à deux. Lungoy qui a pris la même position que lors du premier corner. 19e minute. Et c'est Voltazar qui va tirer ce corner. Voltazar s'est tiré directement. Trajectoire pour le premier poteau. Ouais, il sort. Et une remise en jeu yverdonoise à quelques mètres du poteau de corner servatien. Et j'ai l'impression que Timothée Konya est déjà un petit peu frustré hein, ouais, juste début de match. Un début de match vraiment, comme tu l'as bien dit, frustrant, où Yverdon nous domine, clairement on peut le dire. Hein, parce qu'on a eu, en dehors de ce poteau, très grosse occasion de Coutézard, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent côté servatien. Avec Lopogam du coup qui effectue la touche, ça revient sur Mayus qui élimine Konya un peu facilement là. Il va jouer sur le côté droit avec Anthony Sautier, Abad Amazikou qui revient sur lui, le centre de Sautier et ça traverse la surface de réparation entière jusqu'à aller mourir près du poteau de corner. Et le ballon reste yverdonois, ok, il me semblait qu'il n'avait pas été dévié mais...
Ouais, toujours on peine à sortir de la surface. Là, ça fait au moins 2 minutes que Yverdon a pris possession du ballon. Mm-hmm. Et c'est récupéré là avec Joël Mal qui va pouvoir remettre en jeu au 6 mètres. Il joue au pied, hein, tout doucement, une petite passe pour Yann Sebrin. Yann Sebrin qui fait monter, qui dit en tout cas à ses coéquipiers de monter. On va essayer de faire monter ce bloc côté Servetien. Il faut sortir la tête de l'eau maintenant, hein, montrer qu'on peut poser le pied sur le ballon et se créer des occasions. Parce que... Ouais, non, totalement, parce que Servette doit clairement gagner aujourd'hui. Hein. Ouais, ouais. Je pense que le mot doit n'est pas de trop, non, ouais, non. Avec une début de saison comme. Actuellement, en termes comptables, on n'est pas non plus à la ramasse, comme on dirait, mais il faut pas non plus commencer à perdre des points importants contre Yverdon. Donc, ouais. Alors ce ballon qui revient là. Lungoy dans la surface. Bon retour de Vouillot. Ouais. Hein. Mais c'est compliqué pour les Grenats, très compliqué. Vraiment. 21e minute de jeu, toujours 1-0 pour Yverdon ici à la Maladière de Neuchâtel. Et troisième corner pour les Yverdonois, toujours Varel Tazar avec toujours Christopher Lungoy qui va au poteau de corner chercher éventuellement une combinaison. Alors que là, ça devrait être tiré directement par Tazar cette fois-ci. Et c'est tiré directement, ce ballon qui traîne dans la surface de réparation, ça va être dégagé par Steve Rouillet. On cherche Derek Kuteza et le duel qui va être remporté par Anthony Sautier qui va jouer sur le côté droit. Oui, ce ballon qui reste pour Yverdon, la frappe, ça passe pas loin du poteau de Joël Mal. Et encore un corner. Hein. Ouais. Est-ce que t'as vu que systématiquement, Varel Tazar cherche visiblement un rebond au premier poteau pour déstabiliser la défense. Il faut sortir sur ce ballon au premier poteau. C'est déjà le deuxième corner qui est tiré de cette façon. En tout cas, je pense qu'on peut gentiment le dire. Ce n'est pas un bon début de match hein, vraiment de la part de Servette. Et Varel Tazar qui va s'élancer. C'est parti pour Varel Tazar chercher le deuxième poteau, douline de la tête. Mais ça reste sur des joueurs d'Yverdon avec le Pogam à présent, pressé par Guimeno. Mais le Pogam qui peut garder ce ballon, on joue côté gauche. Et cette fois, ce sera une sortie de but pour Joël Mal. Et comme tu dis, il faut vraiment sortir la tête de l'eau là parce que ça devient inquiétant ce début de match du Servette FC. Gros pressing toujours hein, d'Yverdon qui empêche véritablement le Servette FC de construire depuis derrière. Et là, Nekonia qui doit venir très bas gratter des ballons. Et là, Guimeno. Ouais, ça, on n'est toujours pas sorti de la surface servetienne. Voilà qui est fait avec Rouillet qui se projette un peu, bien suivi par Tazar. Tazar au duel avec Rouillet, Rouillet qui perd le ballon. Ouais. C'est bien joué de Tazar. Hein. Mais c'est bien d'avoir essayé là, ce qu'il voyait. Il faut des initiatives comme ça pour, exactement. Pour tenter de faire des différences parce que c'est difficile là collectivement côté Grenat. Avec. Le Pogam, long ballon en direction de Doulin. Duel gagné de la tête par Doulin, c'est bien là, il faut en gagner de ces duels. Avec un ballon Yverdonois, nous avec le Pogam qui revient sur Cespedes qui revient sur Martin, attention, qui est obligé de dégager un peu comme il peut. Et ça part directement sur Mayus avec un peu de réussite. Faute sur Vouillot là. Non, c'est bien joué en tout cas la passe de Nicolas Vouillot pour pas de Mazikou qui a pu changer de côté. Mazikou il faut jouer plus vite. Kuteza qui va provoquer Sautier, il est face à deux joueurs et la passe va être contrée et il y aura une touche pour Bradley Mazikou et le Servette FC. Ouais, Kuteza qui est rapidement pris par deux joueurs. Hein. On a vu qu'ils n'ont pas envie de se faire piéger comme lors de la première incursion de Derek. Alors que Servette a enfin posé un peu le pied sur ce ballon. Et faute de Cespedes sur Guimeno. Ouais, j'ai l'impression que Guimeno s'est fait mal. Hein. Ouais, en tout cas, on a bien entendu son cri. Ouais. Bon, ça a l'air d'aller. Hein. Ouais, ça a quand même l'air d'aller pour le numéro 21 du Servette FC. Heureusement, on a déjà assez de blessés offensifs. Ouais, il faudrait pas rajouter un nom sur la liste. Hein. Alors, un coup franc à 40 mètres de Timothée Cogna qui peut chercher une tête là dans la surface. Mmh. Ça pourrait être intéressant. Hein. Il est un petit peu trop centré pour que ce soit un ballon idéal, mais ça reste une occasion intéressante pour Servette. Ouais, ça pourrait être intéressant. Là, on voit Chris Bedia qui se déplace vers la droite.
Et c'est centré pour Rouillet. C'est bien dégagé par Mayous qui fait l'effort défensif. Et Kuteza dans la surface qui contrôle. C'est récupéré par Sautier. Sautier au duel avec Kuteza. Sautier qui se dégage comme il peut. C'est directement pour Tazar. Konya qui récupère sur Mazikou. Mazikou pour Séverin, bien en avant avec Kuteza. C'est bien combiné ça. Et il tente peut-être la frappe. Ouais, c'était ouais. Bien trop tenté. Trop écrasé de la part de Tarek Kuteza. Ouais. Mais voilà, c'est déjà mieux. Hein. Plus d'allant offensif pour les joueurs roses. Pour les roses, c'est pour bizarre de dire ça quand même. Hein. Non, il fallait que je la place, ouais. Mais c'est bel et bien le cas. Le Servette FC évolue en rose. Alors que Kuteza est vraiment l'élément servettien le plus en vue offensivement en ce début de match. Et là, c'est bien sorti de la part de Morin. Morin pour Lungoy. Lungoy sur le côté gauche dans la surface. Au duel avec Vouillot qui passe Vouillot. Attention, pas faire faute là dans la surface. Hein. Ouais, c'est de nouveau un corner. Lungoy qui systématiquement arrive à s'en sortir avec, un ballon en la faveur des Yverdonois. Défensivement, j'aime vraiment pas énormément le match du Servette FC. Non, vraiment, on est systématiquement pris de vitesse, on perd la plupart des duels défensifs. Il faut faire mieux que ça, hein, simplement. Ouais, c'est y a pas chercher à midi à 14h, comme on dit. Non, on peut difficilement être plus en difficulté lors des phases défensives. Et c'est parti pour ce corner, ça va être dégagé de la tête. Attention, une reprise, ça passe à côté sans problème. Pour la c'est un début de ce début de saison. Hein. Une reprise en demi-volée. Mguet qui avait tenté comme Elvonner. Alors là, ça repart. Ça va être un Crivelli qui perd le ballon à mi-terrain. C'est dommage. Hein. Là, ça revient sur Kevin Martin qui a tout le temps de redistribuer avec Gunnarsson pardon. Mguet, c'est bien joué pour Tazar. Séverin qui doit prendre l'information, c'est pour Joël Mal qui peut se dégager. Et Joël Mal qui cherche Guimeno, et il y aura une main de Jérémy Guimeno. Enfin, pas sifflé par l'arbitre, selon lui, le bras était le long du corps. Alors que là, il y a une faute pour le Servette FC. Faute d'Anthony Sautier sur Darek Kuteza. Ouais. Alors que le ballon peine à venir jusqu'au au point de la faute. Et c'est Mazikou qui va remettre en jeu. Mazikou qui a vu l'appel de Bedia. Et c'est de nouveau dégagé par une tête yverdonoise. Attention, on va pas perdre ce ballon. Hein. Ah, il y a une mauvaise passe de Vouillot pour directement dans les pieds de Mayous. Attention, Konya à pas faire faute. Ouais, c'est bien joué, Mazikou qui peut récupérer. Mais de nouveau, une perte de balle un peu bête à mi-terrain des Servettiens. Ouais. Là, ça repart. Kuteza sur le côté gauche. Kuteza qui a Mazikou en soutien. Kuteza qui provoque, qui combine bien avec Bedia, qui peut distribuer à Vouillot sur le côté droit. Il a un peu de place. Vouillot qui revient avec Guimeno. Guimeno, oui, c'est bien joué. Guimeno, c'est dommage, c'est bien dommage. Joué. Et ce ballon qui est toujours en jeu, pas sorti. Non, le ballon qui est pas sorti. Ah, y a, malheureusement. Personne n'y a vraiment cru. Personne pensait que ce ballon était sorti. Mais en tout cas, c'était bien tenté là, ce centre en direction de Crivelli et Del Fabbro qui a très bien anticipé. Ouais, une bonne occasion servettienne enfin, avec une bonne initiative de Guimeno qui, grâce à son contrôle, a réussi à se créer une ouverture dans la surface. Nous sommes Doublin, la frappe, c'est une frappe cadrée, c'est bien joué. Frappe de Doublin et Kim Martin qui est obligé de plonger dans ce ballon en corner. Je vais quand même faire un point météo. Nous sommes le samedi 26 août, il fait très froid. On se croirait au mois d'octobre, ça fait un sacré choc par rapport à il y a encore la canicule des jours. Derniers jours. Qui certes il faisait un peu trop chaud, mais là il fait carrément trop froid. Non, là c'est d'une extrême à l'autre. Ouais. Alors qu'un corner servettien, là il va falloir bien exploiter ses opportunités. C'est Guimeno qui s'apprête à le tirer. Et c'est parti. Guimeno, ce premier poteau. Ça revient directement sur Guimeno qui centre à mi-hauteur et il était en position de hors-jeu, effectivement.
peut-être pouvoir regarder ce qui se passe un petit peu sur les autres pelouses. En attendant, sur l'autre pelouse, sauf erreur, il n'y a qu'un seul match qui se joue en parallèle. Effectivement, Zurich Saint-Gall, 0-0 à la 32e minute au Let's Sigrun entre les deux équipes. Zurich leader hein, qui fait un très bon début de saison, 3 victoires en 4 matchs. Mm-hmm. Et tu sais que pour l'anecdote, si Yverdon, enfin si tout reste comme ça, Yverdon passe devant Servette au classement. Ouais. Yverdon se retrouve à 5e et Servette 6e. C'est ça. Ouais. Avec potentiellement, si Lucerne gagne, ou même Lausanne, ou Getse, ou même Winterthur pourraient se retrouver derrière ces équipes-là. Ouais. Alors donc, oui, à une glissade à mi-terrain, ça peut profiter aux Servettes hein, qui se retrouvent en 4 contre 4. Avec Cogne à excentrer qui arrive à centrer pour Crivelli. Oh, ça passe juste au-dessus, cette frappe de Crivelli. Aïe, il y a peut-être le temps de contrôler là Enzo Crivelli. Ouais. C'est peut-être un petit peu précipité, mais on peut le comprendre. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Il voulait pas gâcher cette occasion. Malheureusement, ça passe légèrement au-dessus. Mais allez, voilà, Kevin Martin qui va dégager. C'est chose faite à présent pour le numéro 22. Le Servette FC qui va quand même mieux depuis quelques minutes. Maintenant, on espère que ça va se concrétiser avec un but. Ouais, il faut marquer. Hein. Ouais. Il faut vraiment marquer. Ah, si possible, avant la mi-temps, qu'on reparte sur des bases neutres, on dira, pour cette deuxième mi-temps. Il reste un quart d'heure. Il faut partir au mieux, là, du côté. Oui, c'est bien joué. Écoutez, ouais. Kuteza qui peut provoquer face à Sautier. Kuteza qui... Ouais, Sautier, c'est bien joué. Alors... Attention, Crivelli qui fait la course défensive. J'ai pas vu... Bonne sortie, heureusement, ouais. Pour les Yverdonois de Kevin Martin. Alors qu'on a une question intéressante dans le chat, et on remercie d'ailleurs pour vos questions, n'hésitez pas à les poser. Est-ce qu'il ne manquerait pas un mieux récupérateur pour le Servette FC? Au milieu du Servette FC. Enfin, t'as compris ma phrase. Ouais, bien sûr. j'ai eu un peu de la peine à la faire, vous nous excuserez. Un milieu récupérateur, je pense pas, un milieu relayeur plutôt peut-être, en soutien ou en supplément de Timothée Cogna, mais récupérateur avec Doulin, Ondoa et Samba Lelidiba, je pense qu'on est plutôt bien servi et je pense plutôt qu'il faudrait soulager justement Timothée Cogna. Plus un 8, ouais. Plutôt un numéro 8, effectivement. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'irai chercher. Je ne suis pas directeur sportif du club. Et on peut notifier le tweet très énigmatique de Daniel Romano, ouais, de Blue Sport, avec bébé, soon, en gros, avec le drapeau. Quelqu'un du FC. Une recrue en approche, visiblement, ouais. Côté Servettien. Donc à voir si ce serait ce fameux numéro 8. On parle peut-être aussi d'un latéral droit. Peut-être, ouais. Voilà. Dans tous les cas, on salue Daniel Romano qui avait participé à notre podcast au dernier de la dernière saison. Ouais. D'ailleurs qu'on remercie encore fois pour ça. Ouais, toujours il aime bien faire ses petits tweets énigmatiques sur le mercato, il en a déjà fait quelques-uns cette saison. Ça provoque toujours beaucoup de réactions, c'est plutôt sympa. Ouais. Et tout le monde essaie de deviner qui sont derrière ces initiales. C'est ça. Un petit pronostic. Ah, moi c'est difficile à dire, mais avec un double B comme ça, je rêve de Benjamin Bouchouari de l'AS Saint-Etienne, qui est un super joueur que j'ai eu l'occasion de voir jouer la saison passée. Donc pourquoi pas, justement un milieu relayeur en l'occurrence. Donc le profil collerait en tout cas. Ça pourrait être aussi... Oh, attention là, cette mauvaise relance d'Yverdon. Cogna qui est à l'orée de la surface de réparation. Timothée Cogna qui essaye d'éliminer le centre de Cogna, ça va être dégagé par le pied de Del Fabbro. La tête, oh, il y aura une main là de Chris Bedia. Monsieur l'arbitre l'a pas vu. Chris Bedia qui nous a servi une volée jusqu'au poteau de corner. Alors qu'il avait fait main au début de l'action, à mon avis, même s'il avait fini par mettre ce ballon au fond, le but aurait été refusé. Mais ouais, curieuse combinaison de Bedia là. Et Kevin Martin qui va à nouveau dégager son équipe alors que j'ai mis un coup de pied. Je pensais que ce n'était pas volontaire. Mais Yverdon là qui va tenter de se relancer mais qui va pas aller très très loin puisque c'est vite récupéré par David Doulin et Johan Séverin. Steve Rouillet à présent. Steve Rouillet qui essaye de trouver une solution. Il se trouve Jérémy Guimeneau qui vient se proposer. Attention, la mauvaise passe de Guimeneau et Séverin qui est obligé d'envoyer ce ballon en touche. Alors que j'allais dire à l'instant que Yverdon ne voyait plus la couleur du ballon, mais ça n'aurait pas duré longtemps. Ouais, c'est pas très glorieux. C'est pas très convaincant pour ce début de match. Hein. Enfin, ce début de match, on arrive gentiment bientôt
À la mi-temps. À la mi-temps, donc il va falloir mettre la vitesse supérieure rapidement. Il n'empêche que c'est pas forcément glorieux, comme tu l'as dit. Pour vous, Frick ou Mal titulaire? Oula, sujet épineux. Hein, c'est difficile à dire sur les matchs qu'on a vus. Effectivement, Mal a eu un impact immédiat lors de son entrée contre Genk avec une superbe fin de match et une grosse séance de pénalty. Même s'il n'en a pas directement dévié, même s'il n'a pas directement arrêté un ballon, il a servi par sa corpulence, on dira, et son état d'esprit à déstabiliser les attaquants belges. Mais et derrière, il a sorti plusieurs prestations de haute volée. Mais après, c'est pour moi difficile de me prononcer. Frick étant également un gardien de grande qualité, je pense qu'on a. On doit plus trop profiter de nos deux monstres, comme on dirait. C'est un choix de riche, effectivement. Ce sera Daniel Blanco, entraîneur des gardiens, à René Weiler de prendre les bonnes décisions. Mais je pense simplement que le meilleur jouera. Effectivement, je pense que là, on peut faire confiance à notre staff technique de ce côté-là. Ok, une faute sur David Doulin qui n'est pas sifflé par le corps arbitre. Oh, ouais. Et là, il y a une faute sur ses. Alors, surprenant là, parce que. Ouais, c'était un peu spécial comme situation. Double faute, et c'est la Servetienne qui est sifflée. Ouais. Et qui est-ce qui va. C'est Del Fabbro peut-être qui va relancer, donc directement Kevin Martin peut-être. C'est Del Fabbro. Non, c'est Daton, Kevin Martin. Alors là. C'est Del Fabbro qui l'a glissé à Kevin Martin, pour être très précis. Et c'est Sautier bien excentré sur le côté droit. Alors que. On reconnaît bien le style de jeu d'Anthony Sautier. Anthony Sautier qui avait quitté le Saot FC en janvier 2022. Et qui a directement rejoint Yverdon. Alors que le club évolue en Challenge League. Et il a vraiment. Qui a fait encore une montée. Trouvé sa place à Yverdon. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Qui est un des cadres de cette équipe depuis son arrivée. Mazikou sur le côté gauche, il va remettre en retrait avec David Doulin. David Doulin qui essaie de trouver Mazikou, il n'a pas de solution. David Doulin n'a pas de solution. Il doit revenir en arrière jusqu'à Yohan Séverin. Il faut que les Grenats mettent du mouvement. Et là, c'est Séverin qui fait une incursion. Ouais, c'est bien joué pour Derek Kuteza. Kuteza dans la surface. Ah, c'est dommage, c'est mal dosé. Et Vouillot qui va pouvoir les récupérer. Mais une incursion intéressante de la part des Servetiens dans la surface. Avec Rouillet pour Doulin à mi-terrain qui peut remettre sur Rouillet. Guimeno qui doit aller chercher des ballons au centre du terrain. Ça c'est mal parlé, c'est dommage. C'était pour Kuteza et Mazikou, c'est un bon ouais, jeu. On ne savait pas trop. Hein. Ouais. Mais ouais, je sais pas, il manque quelque chose à cette équipe, il manque peut-être un peu de rythme, de vitesse un petit peu. Ouais, il manque de la prise d'initiative que Kuteza a justement. Ouais, Kuteza qui est le plus dangereux. Hein. Ouais, ouais. On a un Konya très remuant comme d'habitude, mais qui peine à se montrer décisif pour l'instant. Hein. Ouais, bah, il peut pas tout faire non plus. Bah non. C'est difficile, je pense, pour Timothy Konya de faire plus que tant. Ouais, bien sûr, alors que là c'est justement lui qui s'apprête à tirer ce coup franc, bien placé. Qui pourrait être dangereux. Ouais, hein. Ouais. On a vu notamment face à Genk que ce genre de coup franc pouvait amener des occasions de but avec ce magnifique but de Steve Rouillet. On espère la même situation à venir. Donc c'est parti, Konya s'est centré, c'est bien joué, c'est dégagé par le Pogam directement au duel avec Doulin. Ouais, Doulin, c'est. Ah, dommage. Et la touche sera pour Yverdon. On reste dans la surface yverdonoise pour l'instant. A voir si on arrivera à récupérer ce ballon rapidement, ça pourrait être dangereux. Donc le Pogam qui s'apprête à remettre en jeu. Voilà qui est fait. Lungoy au duel avec Vouillot. Oui, c'est bien joué.
Crivelli, Kuteza, pardon, qui n'arrive pas à éliminer, mais Doulin avec Bedia, il y a Crivelli encore, Bedia dans la surface, Bedia il a pas de solution, ils sont plusieurs là sous Chris Bedia, tire de Bedia, et c'était une forêt de jambes là, devant Kevin Martin, et c'est vraiment qui va revenir justement jusqu'au portier d'Yverdon. Ouais, qui a essayé de s'inventer un but, Chris Bedia. Bah, c'était une sorte de prise d'initiative. Oui, c'était bien. Non, mais c'était bien, il fallait tenter quelque chose, mais là, avec au moins 4 Yverdonois devant le ballon, c'était compliqué de trouver la faille. Oula, alors la grosse faute de Nicolas Bouillot. Grosse faute de Bouillot qui va prendre un avertissement. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et il y aura un carton jaune contre Nicolas Bouillot. Ouais, c'est logique. Hein. C'est logique, ouais. Rien de spécial à dire. La faute est assez grossière de la part du numéro 33 du Servette FC. Bon, on espère que Morin n'est pas trop gravement touché. Non, ça a l'air d'aller. Hein, ouais, ça a l'air d'aller. Déjà assis, le numéro 70 d'Yverdon. Ouais. Cette première mi-temps. Qui est frustrante. Hein. Ouais. Moi, je la trouve frustrante en tout cas. Il faut que Servette réussisse à égaliser assez. Gérer assez rapidement quand même. Hein. Ce serait bien d'égaliser avant la mi-temps. Ouais. De repartir à un partout, de pas avoir à courir après le score en deuxième mi-temps. Bah c'est sûr, hein. Il reste 5 minutes maintenant, il reste plus beaucoup de temps pour exaucer ce souhait. Le Pogam qui est jusqu'à Martin. Jusqu'à Martin avec un gros pressing effectué par Chris Bedia. Et Martin qui se dégage comme il peut, c'est bien joué pour Morin. Attention. Il est vraiment partout, hein. Timothée Cogna, il peut être juste devant la défense. Là, il est presque à un rôle de numéro 9, 9,5. Et on est sur le côté droit avec Anthony Sautier à la hauteur de la ligne médiane qui combine bien là, avec Voltazar et qui peut éliminer. Ouais, il rate le ballon. Anthony Sautier là. Et Bradley Mazikou peut récupérer sans problème avec David Doulin. David Doulin qui cherche une solution. Il y a Derek Kuteza à présent sur le côté gauche. Derek Kuteza qui est face à plusieurs joueurs. Il perd le ballon. Derek Kuteza, mauvaise passe là, du numéro 17, Servettien. Attention, pas que ça se projette. Et c'est récupéré donc par Yverdon. Anthony Sautier qui revient sur Delfabro. Delfabro pour Gunnarsson. Gunnarsson. Ouais, c'est récupéré par les Servettiens, c'est bien joué. Et Mazikou qui peut repartir depuis derrière. Ouais, alors qu'on entend. Manifestement, des supporters servatiens qui se sont glissés à l'extérieur du stade. Ouais, c'est la section Grenat qui a fait le déplacement. C'est bien ça, ouais. Attention là, voilà, ça passe dans le dos de Ngoy. C'est bien intervenu de la part de Rouillé, mais ouais, c'est sauvé de la touche. Mais systématiquement, Lungoy qui arrive à se montrer dangereux. Il va falloir trouver les solutions là, à la mi-temps pour les Servettiens pour ne pas que ça se reproduise. On n'est pas passé loin de la correctionnelle. Là, Voltazar à l'orée de la surface. Le ballon qui est toujours Yverdonois. Tazar, la frappe contrée. C'est Mal qui peut intervenir, mais à nouveau, une situation tendue là dans la défense. Et Joël Mal qui a le ballon dans les gants, qui va rejouer à la main sur Sivrouillet. Transversal de Sivrouillet en direction de Derek Kuteza. Et Derek Kuteza qui gagne son duel de la tête face à Anthony Sautier. Mais Kevin Martin est là et va pouvoir prendre ce ballon. Alors, il faudra vraiment travailler hein, pour le Servette FC parce que c'est vraiment, vraiment pas rassurant ce qu'on voit dans cette première mi-temps. Ouais, je trouve. Avec le Pogam face à Crivelli et Guimeno et ce ballon qui est contré par Enzo Crivelli. Ouais, on espérait qu'avec la fin momentanée des matchs européens, ça permettrait à Servette de se concentrer pleinement sur le championnat. Mais là, manifestement, ils n'y sont pas encore. Hein, en tout cas sur cette première mi-temps. Mais allez, il reste du temps pour revenir dans ce match. Avec Séverin de la tête, qui joue avec Stirouillet. Si vous voyez le long de la ligne, ligne de touche qui élimine Maïus. Séverin à nouveau. Séverin qui peut avancer un peu là, jusqu'à la ligne médiane. Qui remet sur Mazikou côté gauche. Qui combine avec Kuteza. Kuteza face à Sautier. Ce sera une touche servétienne. Remise en jeu tout de suite par Timothée Cogna qui revient derrière sur Mazikou. Mazikou pour Cogna à nouveau. Cogna qui peut provoquer. Cogna encore.
Cogna, c'est pour Bedia. Ouais, c'est. Arroyer, là, qui. Dommage. Qui rate un petit peu sa passe récupérée par Yverdon. Attention, oui, c'est bien joué, là. Bedia qui combine avec Crivelli, la main peut-être. Non, selon monsieur Choudi. Alors que là, ça, le ballon est toujours en jeu et les Servestiens doivent jouer ce ballon. Attention, ça arrive fort sur Nicolas Vouillot. Et la touche non, sera pour Yverdon. Qui a le sifflet à la bouche. Temps additionnel, 1 minute au minimum. Alors une que, minute, ouais, vous l'avez probablement entendu, mais ouais, c'est 1 minute de temps additionnel. Oui, ouais, c'est certain que vous l'avez entendu parce que le micro du speaker est très très fort. Les haut-parleurs sont très très forts. Et il y aura une faute là sur Nicolas Vouillot. Et peut-être pour la dernière action de cette première mi-temps, pourquoi ne pas faire quelque chose là, du côté de Servette. Ce serait l'idéal hein, d'aller marquer vite avant cette mi-temps. Et Sautier qui se fait éliminer par Kuteza, c'est bien joué. Ça joue avec Guimeno sur le côté gauche. Guimeno qui provoque. Ah, c'est dommage, la frappe est cadrée. Il a essayé de trouver le poteau opposé. Et mais, belle du pied hein, de Martin. Martin qui était attentif. Hein. Et là, une dernière occasion avec ce corner servettien juste avant la pause. Botté par Jérémy Guimeno. Allez, là, il faut gagner les duels. C'est parti. Ouais, c'est directement dans les gants de Kevin Martin et l'arbitre qui va probablement siffler la mi-temps. Exactement. Voilà qui est fait. 1-0 pour Yverdon dans cette première mi-temps. Une mi-temps très décevante des Servettiens. Il faudra faire mieux, beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Mm-hmm. Ouais, non, c'est pas très rassurant et. Il n'y a pas une énorme occasion non plus pour Servette, quelques tirs, mais. Ouais, le poteau de Kuteza, mais en dehors de ça, c'est vrai que. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Hein, mm-hmm. Mais Et c'est pas très très rassurant, je trouve. Ah, on ne peut que faire mieux en deuxième mi-temps, on dira. Mm-hmm. Donc on va s'accrocher à ça. Ouais. On se retrouve de l'autre côté dans 15 minutes pour la deuxième mi-temps. Quelque chose à rajouter d'ailleurs ? Pas pour l'instant, non. Alors on se voit dans 15 minutes, à tout à l'heure.
De retour ici à Neuchâtel au stade de la Maladière pour ce, cette cinquième journée de Crédit Suisse Super League. Ouais, attention, Suisse, attention, attention le lapsus. Non, on est de retour donc à la Maladière pour ce match entre Yverdon et Servette, cinquième journée de Super League, 1-0 pour Yverdon Sport face face aux Genevois. Ouais, Thomas, première mi-temps inquiétante, on va dire ça comme ça. Hein. Je pense que c'est le terme. Hein. C'est difficile, on peut difficilement faire pire que cette première mi-temps. Il va falloir faire mieux. Non, mais merci, Thomas, non, pour cette analyse. Non, c'est une grosse analyse, mais franchement, il faut. On a vu de très rares occasions Servette vraiment se montrer dangereux, notamment sur un poteau de Kuteza. Mm-hmm. C'est principalement ce qu'on va retenir de cette première mi-temps, parce que le reste c'était plutôt, plutôt inquiétant. Ouais, il y a eu deux frappes, une de Guimeno, une de Doulin où Kevin Martin a dû faire l'arrêt. Ouais. Mais hormis ces trois frappes-là, c'est vrai que Servette avait vraiment, vraiment de la peine. Et il faut quand même dire que ça vient quasiment que des exploits personnels. La frappe de Doulin, c'est une frappe en dehors de la surface. Ouais, c'est collectivement compliqué, on dira. Donc les Servettiens qui sont les premiers de retour sur le terrain depuis déjà deux bonnes minutes, et toujours pas un signe d'un hiver de noix de retour. Ils sont toujours dans le vestiaire. Ouais, les joueurs du Verdon. Alors on voit Kevin Martin là à la sortie du tunnel des joueurs. Ouais. Ils s'apprêtent à faire leur retour là. Ouais, en discussion avec Gunnarsson. Mais on espère en tout cas voir un tout autre visage de ce Servette FC, qui, comme tu l'as dit, nous a pas plu dans cette première mi-temps. Et on aimerait bien revoir un Servette FC conquérant. Là pour l'instant, on voit un Servette FC un petit peu qui est jamais vraiment rentré dans son match. Et qui propose pas grand chose. Ça me fait vraiment penser au match de la Pontaise face au stade Lazanouchi. Ouais, exactement. Hein. Alors que c'est deux adversaires qui sur le papier sont nettement moins expérimentés et largement pour une équipe comme Servette. Et manifestement, on a de la peine face à ce genre d'équipe. Et c'est vrai aussi que pour René Weiler, ça ferait du bien, je pense, de gagner ce match aussi. Ouais. C'est vrai que Servette, hormis le match contre Merlin, a gagné un seul match en championnat. C'était le match d'ouverture à Grasshopper, où les Sigrunes sur le score de 3-1. Ça permet, une victoire aujourd'hui permettrait de véritablement lancer cette saison, hein, parce qu'en dehors de l'immense satisfaction européenne d'une qualification en Europa League, on a un début de saison mitigé, on dira. Hein. Et pour l'instant, une défaite ce soir n'arrangerait en rien la situation. Ouais. Une question intéressante dans le chat, quelle est ton opinion sur René Weiler à la tête du Servette FC? Comme je viens plus ou moins de le dire, une campagne européenne qui a été rondement menée et qui aboutit sur une très belle qualification en Europa League, et derrière une élimination pas honteuse du tout, on dira. Enfin, on a regardé les Rangers dans les yeux. Donc grande satisfaction européenne, et en championnat pour l'instant 4 matchs, une victoire assez convaincante pour un premier match de la saison face à Grasshopper, et derrière 3 matchs nuls arrachés à Oslo et contre Zurich, et un match nul bien terne contre Saint-Gall dans lequel on aurait pu aussi tout autant repartir avec 0 points. Quoi. Mmh. Donc ouais. Un début de saison mitigé, on espère mieux et on attend mieux. C'est vrai que la qualification pour Saguenay s'ouvre réellement le début de saison, parce que hormis ça, comme tu l'as dit, contre Saint-Gall, on aurait pu largement perdre le match. Joël Mal fait plusieurs parades assez décisives. Et contre le slow, sans le coup franc de Patrick Fluquet, finalement, il faut presque des miracles pour que Servette prenne des points sur certains matchs. Donc, des miracles individuels ou le match contre Zurich où tu perds 2-0, il faut revenir, tu reviens à deux partout. Ouais. Mais c'est vraiment pas très rassurant. C'est très frustrant, d'autant plus quand on voit les performances européennes qu'on a pu faire en Europe, qui ont été des masterclass collectives, on dira, où on a vu une équipe soudée qui se battait avec ses armes et qui a posé de gros problèmes à des cadors européens comme Genk et les Rangers. Et derrière, en championnat, ça ne se confirme pas face à des effectifs qui, sur le papier, sont quand même nettement inférieurs aux effectifs précédemment cités. Donc là, on a encore une mi-temps pour revenir dans ce match et aller chercher ces 3 points ô combien importants pour la suite de la saison. Donc
on va capitaliser là-dessus et essayer de retourner la situation. Ouais, ça va être important pour les Grenats de au moins au minimum prendre un point ce soir, même si ça, on l'a dit en avant-match, hein, pour nous c'est quand même victoire obligatoire aujourd'hui, ouais, pour ne pas se faire distancer de la tête. Et surtout que en cas de victoire, Zurich pourrait prendre pas mal d'avance en tête du championnat, ouais, avec les matchs en retard de Lugano et Young Boys. Alors que, comme l'a annoncé le speaker, aucun changement n'est à signaler à la pause. Mm-hmm. Aucun changement à signaler. Et Longueuil qui va tout de suite provoquer sur le côté gauche. Il est face à Johan Sebrin. Il rentre dans la célébration Longueuil. Longueuil, attention, la passe en retrait. Et c'est dégagé par Bradley Mazikou. Là, c'est Kuteza qui peut récupérer, qui fait une petite main, pas vue par l'arbitre. Et c'est récupéré par Yverdon. Kevin Martin avec Anthony Sautier. Anthony Sautier qui est pressé par Timothée Cognac qui rejoue en retrait. Martin qui est pressé par Bedia. Mais il va réussir à dégager. Et ça va revenir sur Morin. Cespedes à présent. Cespedes avec Tazar et Sautier. Sautier qui rejoue sur Boris Cespedes. Et ça combine bien là du côté d'Yverdon. Morin, Tazar. Tazar qui garde ce ballon, qui rejoue sur Sautier. Sautier qui va être obligé de revenir jusqu'à Kevin Martin. Bon pressing des Servetiens, mais il faudrait remettre le pied sur le ballon. Et ouais, voilà qui est fait avec Mazikou qui peut la glisser à Kuteza. Kuteza qui perd le ballon malencontreusement au duel avec Tazar. Et là, c'est une remise en touche pour Anthony Sautier dans sa moitié de camp. Et Anthony Sautier qui effectue la touche en direction de Mayus. C'est Cespedes à présent avec Gunnarsson. Gunnarsson qui remet à Martin et Martin qui dégage ce ballon qui dégage en cloche. Ouais, Mayus au duel avec Séverin. C'est récupéré par les Servetiens et tout de suite perdu. Il faut garder ce ballon, hein. Là c'est un peu Lungoy qui est un peu envoyé au casse-pipe avec Steve Rouillet. Steve Rouillet qui va tenter de trouver une solution pour placer une attaque avec le Servette FC. Dimeno. Le pressing Yverdonois n'est pas particulièrement impressionnant. C'est plutôt les deux lignes défensives qui sont très bien en place. Et, ouais. Alors que là, de nouveau un long ballon qui ne trouve pas preneur côté Servettien. Ouais, c'est difficile de trouver une solution. Et, attention. Ouais. Le Vuyo qui va rejouer sur Joël Mal. Pas vraiment de solution, pas vraiment d'espace laissé par les Vaudois. Et c'est à Servette hein, d'être plus malin et de trouver la faille hein, dans cette défense de l'équipe entraînée par Marco Schellibaum. Cogna avec Bedia à présent. Bedia contre la poitrine. Il est dos au jeu, la crise Bedia. Il garde ce ballon, il faut le donner par contre. C'est chose faite avec David Doulin, côté droit maintenant avec Vuyo, Crivelli. Et c'est récupéré. Non, ça va être perdu. Et Gunnarsson qui relance. Voilà, alors à signaler que manifestement Guimeno et Crivelli ont échangé leur poste et c'est maintenant Crivelli qui se retrouve sur l'aile droite. Ah, c'est plutôt étonnant plutôt. Ouais, complètement. On s'y attendait pas. On s'attendait peut-être à voir Toiti entrer. Ouais. Et alors qu'à l'échauffement, pour l'instant on a Rodelin, Toiti, Baron, Fofana et les Lediba qui sont sur le bord du terrain. Avec Sautier qui récupère. Sautier harcelé par Mazikou qui doit revenir derrière. Et Tazar avec Cespedes. Cespedes, international bolivien qui rejoue sur Anthony Sautier. Anthony Sautier qui cherche Tazar en profondeur et c'est bien couvert par Johan Séverin qui va envoyer ce ballon en touche. Et la touche va être donc pour Anthony Sautier et Yverdon. Et ouais, de nouveau Servette FC qui peine à imposer son rythme à cette partie pour l'instant. Ça fait que 4 minutes qu'on a recommencé à jouer, mais le ballon reste Yverdonois avec une remise en jeu de Tazar qui va la laisser à Anthony Sautier. À peu près 35 buts début de Servettien. 35 mètres pardon. Et c'est reparti avec Morin à présent. Morin harcelé par Cogna qui est obligé de rejouer avec Kevin Martin. Et ça va être là qui va pas réellement presser le gardien d'Yverdon.
Il va pouvoir relancer. C'est bien relancé là, pour Sautier. Sautier qui provoque Kuteza qui passe en sombrero. C'est récupéré par Doulin. Attention au duel. Et c'est un ballon pour les Verts. Et le ballon est plus loin derrière Tazar qui est trop avancé. Et Anthony Sautier qui a pour effectuer cette nouvelle touche. Hein. Beaucoup de touches en faveur d'Yverdon dans ce début de deuxième période. Il y a une compressing de Media. Heureusement pour l'instant ça ne paye pas. Hein. Ça a de la peine à se décompter du côté de Servette FC. On peine vraiment à. Poussette dans le dos, faute à mi-terrain et le ballon qui est à nouveau servettien. Alors que Doulin semble avoir pris un coup. Voilà, ça va aller hein, pour le milieu de terrain. Est-ce que René Weiler va procéder à des changements bientôt, tu penses, Thomas ? Eh bah, écoute, moi je parierais sur une entrée en jeu d'un profil un peu dynamique comme Fofana ou Toiti pour venir provoquer cette défense peut-être sur les côtés, alors que manifestement pour l'instant l'axe est bien verrouillé par la défense des Vaudois. Donc ouais, moi je partirais sur un changement, peut-être Crivelli pour toi, t'y aller, parce qu'il reste sur un très bon week-end en coupe la semaine passée avec ses 4 buts. Il est en confiance, ouais. Ouais. Toujours 0-0 hein, du côté du Letigon entre Zurich et Saint-Gall. Dans l'autre partie. Là, ça repart côté Servettien avec Guimeno à mi-terrain. Guimeno qui est victime d'une faute, non selon l'arbitre. Il arrive à la glisser pour Kuteza. Kuteza qui provoque, c'est bien joué. Kuteza qui combine avec Bedia. Bedia qui revient sur Doulin. Doulin à 30 mètres. C'est bien combiné là de la part des Servettiens avec Vouillot bien excentré qui arrive à centrer. Et c'est directement. C'est un corner. C'est un corner. C'est corner, oui, ouais, c'est corner. C'est corner. Et c'est Jérémy Guimeno qui va aller le tirer, le numéro 21, le jeune voix qui est de retour. Merci Diego, hein, qu'on salue, Diego Esteban, ouais, à la technique. Merci pour fidèle ce à la technique. Pour ce moment. Et Guimeno, le jeune voix qui va tirer ce corner. Peut-être que c'est le premier de la partie pour Servette. Non, c'est au moins le 3 ou 4ème. Bah ouais, alors en première mi-temps, il y en a eu quelques-uns. Je suis pas du tout attentif, je regarde pas. Ils n'ont pas abouti sur des occasions. Donc Alors que cette fois-ci, là. Oh, on n'était pas loin, cette frappe de David Doulin. Ouais, grosse occasion, hein, la frappe de Doulin, l'entrée de la surface qui frappe juste sous la barre et c'est dévié par Kevin Martin. Et ça offre un nouveau corner au Servettien. C'est intéressant, ce ballon qui a traîné un petit peu dans les 16 mètres et qui a mis en difficulté Yverdon. C'est parti pour Jérémy Guimeno et ça va être dégagé par Cespedes au premier poteau de la tête avec Cogna. Cogna pour Rouillet qui joue le coup sur Guimeno. C'est bien joué là de la part. Guimeno qui a de la place dans la surface. Guimeno qui s'incure. Ou peut-être la main. Non. En tout cas, le tir de Guimeno a été contré. Yverdon peut peut-être s'offrir un contre. Et bien, une faute là, de Vouillot sur Longoï. Ouais, attention, faute de Vouillot alors qu'il a déjà un jaune. Hein, il ne faudra pas en reproduire plusieurs, sinon le rouge pourrait être sorti. Hein. Ouais, et ça mettrait ça va être en grande difficulté. Et il n'a pas besoin de ça. Non, on a déjà suffisamment de difficultés devant nous. Restons à 11 contre 11. En tout cas, je tenais quand même à le signaler, hein, ce stade à huis clos. Ça fait très bizarre quand même d'être de retour dans un stade. Ouais, vide. Vraiment, hein, c'est. C'est pas le football qu'on aime. On aime avoir du public, on aime avoir de l'ambiance. Et en plus sur le terrain, pour l'instant c'est pas vraiment ça. Donc on espère une meilleure fin de soirée pour nous. Alors que là c'est 2-0 de Mayus sur la première vraie incursion vaudoise dans la surface du Servette FC en deuxième mi-temps. C'est le deuxième but sur une passe décisive d'Anthony Sautier. Ouais. On a vu Sautier et Cespedes fêter allègrement ce but. Hein. Ouais. Ouais. Bon bah c'est. C'est inquiétant. Ouais, c'est très inquiétant la prestation là des Grenats. 4ème minute de jeu, but pour l'équipe Dynamo Sport FC. Alors que là, Jérôme Mongonès commence l'échauffement, peut-être un changement à venir. Anthony Baron a été s'asseoir. Ouais. Nouveau score. Aïe. Alors que c'est le premier but en Super League de la part de Ayman Mayous, une des nouvelles recrues internationales algériennes d'Yverdon Sport.
Et là, la tâche s'annonce encore plus compliquée pour les Servettiens. Ouais, on se rapproche de cette première défaite en championnat. Et ouais, c'est réellement, réellement inquiétant. Et on peut pas dire que c'est immérité de la part d'Yverdon pour l'instant, qui récupère encore un ballon. Yverdon à 3 contre 2. Yverdon avec Lungoy. Lungoy qui peut mettre le 3-0. Et c'est 3-0 pour Yverdon. C'est trop facile. Hein. C'est trop facile. Deux face à face consécutives où la défense servétienne n'est absolument pas là et laisse jouer. Yverdon qui se retrouve en 4 contre 2, c'est incompréhensible. Ouais. C'est. Waouh. Alors là, c'est. Pas grand chose à faire pour Joël Mal sur les deux occasions. Non. C'est. On perd nos mots. C'est. 3-0. But inscrit par le numéro 88. Et là, dans l'état actuel, on voit mal le Servette FC en mesure de revenir dans ce match. Hein. Ouais. Il va falloir trouver des solutions, faire des changements rapidement. Avec Ondoa qui s'apprête visiblement à faire son entrée. Ouais, Galondoa va rentrer. Ondoa et Anthony Baron, si je vois bien. Ouais, c'est bien ça. Et peut-être Ondoa, même Baron et Toiti. Trois changements qui s'apprêtent à être effectués par René Weiler. Mais peut-être un peu tard dans le match désormais, enfin un peu tard. C'est encore relativement tôt, mais avec 3 buts de retard, ça s'annonce très très compliqué. Hein. C'est catastrophique la prestation là, du Servette FC. Alors que c'est ça tourne un peu à la démonstration hein, côté Yverdon. Bah ouais, beaucoup d'erreurs aussi côté de Servette, des pertes de balles. Enfin, c'est réellement réellement inquiétant et vraiment pas rassurant en vue de l'Europe. Et en vue des échéances à venir en championnat, la semaine prochaine à la Pride, ce sera Young Boys. Ouais, donc encore un calibre supérieur à Yverdon. Supérieur, hein, donc faute de Anthony Sautier sur Derek Kuteza qui va prendre un avertissement. Ouais, avertissement pour jaune, ouais. Anthony Sautier. Il faut marquer rapidement si Servette espère encore revenir dans cette partie. Faut pas attendre. Les changements attendront le prochain arrêt de jeu. Hein. Ils attendent le prochain arrêt de jeu, effectivement. C'est difficile. C'est vraiment catastrophique la prestation de Servette ce soir. C'est assez incompréhensible. Hein. Ouais. Franchement. Qu'est-ce qui arrive à cette équipe alors que. On peine à comprendre. Il hein. Ouais. Y a vraiment deux visages. Hein. Le visage montré en Coupe d'Europe et le visage du championnat. Et ce soir, il est encore pire. La saison ne s'arrête pas à l'Europe. Hein, là, ouais, Yverdon qui nous passe devant au classement avec cette victoire qui se dessine. Mmh. Et c'est pas de bonne augure pour la suite du championnat. Ok, ça reste le début de saison. Et rien de très alarmant non plus. Mais à la cinquième journée, avoir que 6 petits points pour le Servette FC. C'est problématique. Hein. Mmh. Et une seule victoire, c'est pas rassurant du tout. Surtout que dans ces matchs-là, tu as joué quand même deux promus avec, ouais. Avec le Slow et Yverdon. Tu as joué grâce au Peur, tu as joué Saint-Gall et Zurich. On n'a pas encore joué les Cadors du championnat. Hein, donc, il n'y a pas encore IB, il n'y a pas encore eu Bâle. Alors oui, Bâle fait pas un très bon début de saison, mais il n'y a pas eu Lugano. Je veux dire, c'est pas rassurant du tout. Hein. Non, vraiment pas. Hein. C'est. Et c'est reparti côté droit avec Guimeno, centre de Guimeno, et ça va arriver dans les gants de Kevin Martin. Peu d'idées aussi, offensivement. Ouais, c'est assez triste. Ouais, c'est ça, c'est triste en fait. On sait de quoi cette équipe est capable, et là, elle nous montre un tout autre visage aujourd'hui. Et de manière générale, en championnat pour l'instant, c'est décevant, parce que la Coupe d'Europe ne revient pas avant le 21 septembre, donc il faudra se réveiller d'ici là. Complètement. Et la prochaine échéance, c'est comme on l'a dit, Young Boys, donc c'est un autre calibre, c'est le champion en titre, la meilleure équipe du championnat. Donc il faudra faire le travail hein, pour commencer à prendre des points en championnat. Et finalement, ce sera victoire obligatoire contre Young Boys. Hein. Mais surtout que les autres équipes vont pas attendre le réveil de Servette pour continuer à prendre des points. Mmh. Hein, panne de l'avance, mine de rien. Donc si on veut terminer. Une place européenne en fin de saison, il faut montrer beaucoup beaucoup plus que ce qu'on est en train de montrer actuellement. Mmh. Complètement. Et qui est-ce qui va sortir? Ça y est, les changements peuvent s'effectuer désormais avec la sortie de Vouillot. Nicolas Vouillot.
pour Anthony Baron. Bradley Doulin pour Ondoua. Effectivement, je pense que c'est Mazikou le dernier. Et Bradley Mazikou, ouais. Ouais, pour Hussein Touati. Le Servette FC qui semble passer à 3 derrière. Changement offensif. Hein. Ouais, complètement. Et on va passer justement à. Avec Rouillé, Séverin et Baron en défense. Et 4 attaquants. Si ça peut permettre au Servette FC de se procurer plus d'occasions, on ne sera pas contre. Hein, parce que c'est compliqué pour l'instant. Très, très compliqué. Il y a même 5 joueurs offensifs sur le terrain. Hein. Bedia, ouais. Guimeno, Crivelli, Touati et Kuteza. Donc il y a un moment de flottement là dans le stade avec un Morin ouais, qui semble touché. 3 défenseurs. 5 joueurs offensifs, 2 milieux de terrain. Si avec ça on n'arrive pas à se créer des occasions, il va falloir se poser les bonnes questions. Ouais, complètement. Et il manque encore peut-être Boukar Fofana sur le banc et Ronny Rodelin aussi comme joueur ouais. offensif supplémentaire si besoin, qui sont à l'échauffement avec Sambal et Lediba et Jérôme Mongané. Ayman Mayous qui concède la remise en jeu. Là il faut jouer, il faut aller de l'avant dès maintenant. Et, si on veut encore espérer quelque chose dans ce match, il faut marquer rapidement pour inverser la tendance. On doit avec Cogna, Baron. Dégagement de Baron, c'est contré Sautier face à Kuteza. Sautier qui dégage en direction de Baron. Oula, attention, la passe en retrait de Baron. Et heureusement que Joël Mal a un peu anticipé parce qu'on n'était pas loin du face à face. Catastrophe. Ouh là 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 là. C'est pas du beau football hein, ce non. soir. Alors que Ayman Mahous est très intéressant. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est. Oui, il fait un très bon match. C'est un bon match de sa part. Il arrive bien à bouger nos défenseurs centraux et il a marqué ce premier but, enfin ce deuxième but du Verdonois. Avec ouais, le ballon reste pour les Verts et c'est un nouveau corner. Obtenu par Christopher Lungoy, je sais pas combien de corners il a obtenu sur ce match là, mais bien 4 ou 5 en tout cas. Hein. Ouais, complètement. En plus de son but en première mi-temps, match intéressant aussi de la part de l'ancien Servettien. Alors que là, Morin va vraisemblablement laisser sa place, étant donné qu'il s'est assis sur le terrain. Ouais, il y a un changement en préparation côté Yverdon. Avec Chiliba, on donne ses consignes à Anthony Sautier. Et ça va être le numéro 18 d'Yverdon. Ouais, Luzuena qui va rentrer. À nouveau un joueur offensif. Yverdon qui ne semble pas décidé à lever le pied. À blinder derrière. Hein. Ouais. Pour l'instant, ils n'en ont pas besoin en même temps. Ouais, donc, 3-0 on peut que les comprendre. Et ça va être, ne montre pas grand chose. Donc. Pas réellement de raison d'être inquiété côté Yverdon dans ce match. Et c'est ça qui est inquiétant côté Yverdon. C'est ça, si au moins on avait, je sais pas, pas de réussite ou quelque chose. Mais non, là pour l'instant on montre vraiment pas grand chose. C'est du coup. Ouais. Et la sortie de Morin donc. Donc là, le corner s'apprête à être botté par Varoltazar. Et Varoltazar qui. Entre, c'est récupéré par Cogna qui ouais, hors jeu. Mais hors jeu, c'est hors jeu à retardement. Sifflé à retardement, ouais. C'est une horreur. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est toujours laisser continuer l'action alors qu'il y a un joueur pourrait se blesser ou je ne sais quoi. Alors que le hors jeu est très clair, c'est un peu spécial. Hein. Ça fait perdre du temps et surtout que on le sait qu'il y a hors jeu. Donc ça, autant, là, quand il est clair comme ça. Autant siffler là, tout de suite. Crivelli mis en difficulté par Lungoy qui doit revenir sur Baron. Crivelli à mi-terrain. Allez, ça ne se parle pas assez avec Cogna qui se fait surprendre dans le dos par Luzuana. Heureusement, c'est récupéré par Baron. Baron pour Ondoua. Et Ondoua qui cherche une solution. Il trouve Touati. Est-ce que ouais, ça va être trop loin de la part du Camerounais. Pour Hussein Touati qui va devoir laisser ce ballon filer en touche et la touche qui va être jouée par le Pogam, capitaine de cette équipe d'Yverdon avec son numéro 6.
et il attend des solutions de la part de ses coéquipiers. C'est Cespedes qui se propose, Cespedes qui se bat avec, avec Guimeno, et il va obtenir la faute, le Bolivien. Ouais. Qu'est-ce qui manque à ce Servette FC? C'est difficile à dire, il y a un manque... un manque d'envie, j'ai l'impression, je sais pas. Peut-être une différence de motivation entre les matchs européens et les matchs de championnat, alors que le championnat constitue, entre guillemets, le pain quotidien des Grenats. Donc on ne peut pas se reposer uniquement sur ces matchs européens. On savait hein, qu'avec cette campagne européenne, les forces risquaient d'être dissipées, on dira. Mais voilà, on espérait quand même mieux, un meilleur début de saison en championnat de la part de nos Servettiens. Alors que là, Bedia peut repartir de l'avant avec Guimeno. Guimeno dans la surface. Guimeno bien excentré qui revient. Ah, c'est dommage. Il y avait Konya tout seul à l'orée de la surface. Ça aurait pu être dangereux. Hein. Et malheureusement, oh là là. Ouf. Gros duel Rouillet, là, entre Tazar et Rouillet. Mais pas de faute pas de la faute, part du capitaine de Servette. Rouillet qui paradoxalement je trouve fait pas un mauvais match. Non Rouillet il a fait des bonnes interventions mais c'est. Alors que ça prouve aussi que Yverdon a beaucoup de solutions, beaucoup de possibilités offensives, étant donné que Rouillet peut se mettre en valeur. Mm-hmm. On aurait préféré que ce soit plutôt à l'opposé du terrain que les joueurs nous impressionnent. Ça peut être pas mal. Est-ce qu'il y a encore. Que là le rythme est. Et haché. Hein. Et haché, hein, totalement. Est-ce que tu crois en un nul Si Servette arrive à marquer rapidement, je dirais dans les 5 prochaines minutes, tout reste possible. On connaît, on sait que dans le football, tout peut aller très vite, hein, on va pas le répéter. Mais là, actuellement, c'est difficile d'imaginer autre chose qu'une défaite. Ouais. Ouais. Avec. Oh là là, c'est vrai qu'il n'y a aucune solution là, personne ne vient l'aider. Il doit s'inventer un dégagement. En jonglant, ouais. Oh là là. Rien ne se passe côté Servettien. Avec un ballon sur Gunnarsson qui va rejouer avec Kevin Martin. Mauvais dégagement de Kevin Martin. Là, la touche qui doit être rapidement jouée, à mon avis, des Servettiens. Ce n'est pas le cas. Et les Verts qui se replacent tranquillement. Ouais, c'est dommage. Derrière, écoutez, ils auraient pu jouer plus vite et gagner un petit peu de temps. Yverdon semblait un petit peu mal organisé. Avec un centre en direction de Bedia. Oh là et là. La tête de Cespedes pour Kevin Martin. Qui va pouvoir bloquer ce ballon, même sous la pression de Bedia. J'ai l'impression, je sais pas si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un seul ballon qui ait. Un seul ballon axial qui ait donné quelque chose. Oula, attention. Oh là là là, c'était dangereux. Hein. Alors qu'il y a un ballon qui est parti au-dessus du stade. Non, juste pas. Dommage, c'était bien visé. Hein, mais... Et il faut bien qu'on s'excite sur quelque chose ce soir. Ah non, mais là, à nouveau, une situation chaude que Joël Mal a pu maîtriser d'un dégagement un peu hasardeux. Mais on est plus proche du 4-0 que du 3 hein, là actuellement. Oh là, mauvais dégagement de Mal. Attention, avec une frappe. Qui peut armer une frappe. Ça passe au-dessus. Et ouais. Vivement que ce match se termine. Je crois qu'on dit pas souvent ça. Non. On peut limiter encore l'hémorragie et ne pas repartir avec une valise de ce match, ce sera déjà ça de gagner. Hein. Et c'était si pour on peut Chris parler Bédiam. De gagner quelque chose sur ce match. Hein, parce que on va dire ne pas repartir avec un quatrième but encaissé, ce serait déjà pas trop mal. Ce serait déjà pas mal. Mais. Ouais, là c'est vrai qu'on retrouve on trouve une équipe très ordinaire hein, ce soir côté Servettien, pas vraiment de folie, totalement. Pas vraiment de danger. On rappelle, hein, mais en championnat, Yverdon reste sur une défaite 6 à 1 contre Lugano. Lugano donc, ouais. Oh là, Lugano qui est quand même un concurrent direct de Servette direct pour le podium. Pour les places européennes et le podium plus directement pour Servette. Et même le titre si on peut. Si on voit plus large, non, c'est sûr. Ouais, Lugano qui pour l'instant fait un meilleur début de saison que le Servette FC. Ouais, totalement, ouais. Et, on pourrait parler du FC Zurich aussi qui fait un très bon début. Et il y aura un corner pour Yverdon avec Varol Tazar.
Balthazar qui joue avec Anthony Sautier à l'oreille de la surface. Il a frappé Sautier, non, le centre. Le centre qui sera sans danger pour Joël Mal et les Grenins. Alors que ce même Zurich a ouvert le score contre Saint-Gall, but de Jonathan Lokita sur une passe de Mathieu à la 56e minute. 1-0 pour Zurich. Qui prend provisoirement 6 points d'avance sur le Servette FC au classement. C'est pas négligeable. Même 7. 7 points d'avance. Voilà. C'est vraiment, vraiment pas négligeable. Hein. Ces 7 points d'avance en fin de saison, ils pourraient être difficiles à aller chercher. Hein. Ouais, exactement. On va vous tenir un petit peu au courant du résultat entre Zurich et Saint-Gall. Qui a l'air d'être un match plus, plus équilibré, plus animé que ce Yverdon. On pensait pas dire ça de ce match-là, mais ouais, c'est vrai que ça va doit mieux faire en tout cas pour espérer quelque chose. Alors, ce n'est entre guillemets que la cinquième journée, donc il y a encore des solutions, mais alors que là, on a passé la 70e minute de jeu. Et qu'aucune grosse occasion n'est à signaler en cette deuxième période pour les Servettiens, en dehors de cette frappe de Doulin. Ouais. Qui aurait pu trouver la faille, hein, mais. Et ça aurait fait vraiment du bien d'égaliser, mais là, c'est tout le contraire, hein, qui s'est passé. Derrière Servette qui a pris deux coups de massue avec le deuxième et le troisième but dans la foulée. Alors, il y aura des changements. Côté Yverdon, entrée de Lucif, sortie de Tazar et sortie de Longueuil pour l'entrée de Rodriguez. Sortie également du numéro 88, Christopher Longueuil. Et ouais, Longueuil qui sort, qui a fait un très bon match. Hein. Lui, il a fait son match. Ouais, il a fait son match, Longueuil, mais. Il a pu profiter aussi des faiblesses hein, de la défense servétienne, notamment sur le premier but ou même sur le dernier en fait. Où il a eu beaucoup trop d'espace. Et, Lui, il a cru directement, il a pris le ballon, il a pris l'initiative et ça a abouti sur ce but, mais aucun servétien ne semblait réellement s'alarmer. Alors que là, gros duel entre Gunnarsson et Bedia qui finit par faire faute. On a une question, est-ce que c'est le dernier match d'Yverdon à huis clos? Théoriquement oui, normalement ils joueront leur prochain match à l'extérieur et après avec la trêve internationale ils devraient pouvoir retrouver après la trêve leur stade municipal et donc jouer leur match à domicile avec du public. Donc on rappelle que les travaux sur le stade municipal concernaient principalement les éclairages qui n'étaient pas aux normes télévisées on dira pour la Super League. Ouais. Et Yverdon là, qui récupère gentiment ce ballon dans la zone offensive, il se passe rien côté Servette. J'ai l'impression qu'on a déjà déposé les armes. Bah, totalement. Hein. Avec Rodriguez pas à présent. Pas d'esprit de révolte là. Hein. Alors que là, Louzouana fait ce qu'il veut dans la surface. Ça revient sur Sautier. Avec Gouette qui rejoue en retrait pour Gunnarsson. Et le Suédois qui va rejouer avec le Camerounais. On joue sur le côté droit maintenant avec Rodriguez. Rodriguez face à Anthony Baron. Rodriguez qui lisse et Baron qui peut récupérer ce ballon. Avec Timothée Cognat. Superbe ce qu'il a fait Timothée Cognat. Oh pour Bedia. Statique, c'est difficile. Hein. Et Bedia face à Gunnarsson. Bedia qui est totalement isolé, qui doit se battre à grosse faute. Le Gunnarsson qui tire le maillot, c'est pas la première fois. Hein. Ouais. Première fois qu'il est sanctionné par l'arbitre, mais pas de jaune à l'horizon. Et Baron qui va jouer en temps d'instant. On n'a pas vu les nouveaux entrants pour l'instant. Non, alors Anthony Baron on l'a vu, mais pas forcément pour les bonnes raisons. C'est ça, et Toiti n'a pas eu l'occasion de s'exprimer pour l'instant. Mm-hmm. Et là, Séverin qui peut gagner de précieux mètres. Et on est dans la surface, dans la moitié de terrain yverdonnois, non pas dans la surface malheureusement. Et là, Toiti qui peut provoquer l'Opogam. Toiti face à l'Opogam qui provoque, qui peut centrer. Ouais, et ça arrive dans les gants de Kevin Martin. Là, c'est très bien relancé pour Rodriguez. Et Baron qui couvre bien. Avec Ondoua. Ondoua qui doit se projeter. Hein. Il doit mettre. Oh, c'est mal joué. Grosse incompréhension entre Ondoua et Kuteza. Ouais. Et le ballon qui est à nouveau pour les Verts. Remise en jeu,
30e remise en jeu iverdonoise. Avec Kuteza, Kuteza pour Gimeno, ça rejoue sur Kuteza qui fait oui, un petit pont en tennis. Voilà, là il y a de la place. Là il faut se projeter. Et le centre de Konya. Et ouais. C'était la direction de Toiti. Ça revient sur Gimeno. Gimeno qui perd le ballon. Attention à cette perte de balle de Gimeno face à Lucy qui va pouvoir passer le numéro 12 d'Yverdon. Attention là, il y a du monde c'est qui est au centre. Il y a Rodriguez au deuxième poteau. Yverdon. Et Yverdon qui est. Enfin, Séverin qui va pouvoir dégager le centre d'Yverdon. On doit à présent, on doit pour rouiller. On va jouer sur Gimeno. Gimeno, jolie roulette. Gimeno sur Lucif. Et on va espérer que dans ces 15 minutes, ça va être plus au moins marquer un but. C'est récupéré, bien joué par Toiti. Proche de la surface, il rentre dans la surface, il provoque, il centre. Ah, c'est dommage, bien senti par Gunnarsson qui peut envoyer ce ballon. Mais voilà, une incursion dans cette surface de la part de Toiti, il faut que ça se reproduise. On doit Konya qui va rejouer sur Anthony Baron. Anthony Baron qui cherche une solution. Il va trouver avec Enzo Crivelli. Enzo Crivelli pour Chris Bedia. Ça revient sur Crivelli avec Kuteza. Kuteza qui passe et qui n'arrive pas à éliminer les deux joueurs d'hiver. Donc il avait éliminé Anthony Sautier, mais pas Rodriguez. Et le ballon qui revient dans le rond central pour Steve Rouillet. Attention, on va pas perdre ce ballon. C'est. Oh là là là. Oh là là, mais c'est terrible. C'est une catastrophe. Que se passe-t-il pour nos Servettiens là sur ce match? 76e minute. Alors que je sais pas, je sens qu'avec un but, les choses pourraient changer. Mais pour l'instant, rien à se mettre sous la dent. C'est très frustrant. Allez, Kuteza qui provoque Sautier. Kuteza qui élimine Sautier avec Konya, le centre de Konya. Corner. Non. Et 6 mètres. Corner. Ouais, il y aura un 6 mètres. Et Konya qui est rentré dans le cameraman. Heureusement, plus de peur que de mal. Ouais. Oh là 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 là. Ronny qui s'apprête. Ronny Rodelin, on entend Weiler l'appeler pour une entrée en jeu. Mmh. Probablement en remplacement d'un des trois Bedia, Crivelli ou Gimeno. Ouais. Ouf. René Weiler qui reste quand même très calme hein, sur son banc. Ouais, René Weiler va être toujours un calme olympien. Avec Baron pour Gimeno. Gimeno qui rejoue sur Baron. Il n'y a pas de solution, il ne sait pas quoi faire de ce ballon. Anthony Baron. Kuteza pour Konya à nouveau. Kuteza. Il faut y aller. Hein. Kuteza qui trouve Hussein Toiti. Ah, la passe de Kuteza est trop longue. Ouais. Et le changement ne sera pas effectué tout de suite. Hein. Il sera certainement fait au prochain arrêt de jeu. Quelle tristesse ce match. Ah ouais, non, c'est une vraie tristesse. grosse déception. Hein, ouais. On s'attendait à tout autre chose aujourd'hui. On s'attendait à avoir un Servette FC qui s'est reposé, qui a pris le temps de travailler de nouveaux systèmes ou peut-être d'avoir le ballon, de jouer la possession. Et finalement, on n'a rien vu de tout ça. Et on a vu un Servette FC assez apathique. Et... Ouais, notre grand désarroi. Et alors que c'est Chris Bedia qui cède sa place à Ronny Rodelin. Chris Bedia et entrée du numéro 23, Ronny Rodelin. Chris Bedia qui sort de l'autre côté du terrain, Rodelin qui fait son apparition avec son numéro 23. Peut-être que la solution va venir de Ronny Rodelin. Ce serait bienvenu. Ouais. Peu importe, alors... honnêtement, Donc on peut avoir trouvé cette faille, alors que là, Baron est bien lancé par Kuteza, Baron suivi par Rodriguez. Rodriguez qui participe beaucoup aux tâches, au repli défensif. Hein. Mm-hmm. Ouais, il vient beaucoup en aide à Anthony Sautier, Baron, qui cherche Rodelin, et ça va être coupé par un joueur d'hiver, donc avec Mayus qui passe.
Attention à la contre-attaque, là, la d'Yverdon. Rodriguez sur la droite, Rodriguez. C'est un 3 contre 4 pour l'attaque yverdonoise. Rodriguez pour... attention, le centre, heureusement que les joueurs d'Yverdon ne se comprennent pas. La frappe de Cespedes. On n'était pas loin du quatrième. Cespedes qui est pas loin de mettre le quatrième but. Hein, ouais. Ça passe juste sur le fil extérieur hein, de Joël Mal. C'est... difficile. Difficile cette fin de match, on se réjouit quand même que ça se termine 80e minute. Difficile, toujours 3 à 0. C'est 80 premières minutes. Ouais, ouais. C'est début de match, non. Ouais, ouais, c'est... je crois qu'on va pouvoir parler simplement d'un match difficile. C'est hein. Ça, c'est ça. Il n'y a pas vraiment eu de bonne période à Saint-Étienne. C'est mal combiné. Avec Ondoua là, qui est à la lutte avec Mayus, il va rejouer sur Joël Mal qui est pressé et Joël Mal qui va prendre ce ballon des mains. Avec Baron à présent, le Guadeloupéen. Long ballon en direction de Toiti, mais c'est contré, enfin c'est récupéré par le Pogam qui va jouer avec Kevin Martin. Ouais. Qui prend. C'est dévié de la poitrine. Comme ça, ça permet à Kevin Martin de la reprendre des mains et de perdre quelques secondes de plus. C'est bien joué de la part de la défense vaudoise. Alors que là, c'est de nouveau dangereux. Non, récupéré par Steve Rouillet. Alors que Yverdon ne semble pas rassasié avec ses trois buts. Hein. Il pousse pour chercher un quatrième. Et c'est un corner pour les Servettiens, obtenu par Houssein Touati. Ouais, Houssein Touati qui va s'élancer. Non, il y a Guimono aussi qui... peut-être c'est Guimono qui va le tirer. Ouais. En tout cas, les deux sont autour du ballon. Non, toi tu veux tirer le corner manifestement. Ouais, j'ai l'impression que les deux s'énervent un petit peu. Hein. Ah, c'est Guimeno qui va le tirer. Toi tu qui a l'air assez frustré de laisser le ballon à Guimeno. Mm-hmm. Et c'est parti avec ce corner. On va même plus sur les deuxièmes ballons. Ouais. Cogna. Cogna qui peut, non, qui n'arrive Cogna pas qui à éliminer. Surprendre par Luzuana. Baron avec Ondoua. Ondoua pour Guimeno. Guimeno de l'autre côté pour Touati. Touati qui tente d'éliminer et il n'arrive pas à garder le ballon. C'est une Touati. Il le récupère quand même. C'est bien joué de la part de Touati hein, qui se bat mm-hmm. sur cette fin de match. Touati sur son pied gauche. Rodelin, Cogna. Pour Kuteza dans la surface, le centre et c'est bloqué par Kevin Martin. Il faudrait frapper au but quand même de temps en temps. Mais ouais, c'est... Personne ne veut prendre l'initiative là. C'est terrible. On n'aime pas ça, hein. Franchement. Non, on n'aime pas voir ce visage là du Servette FC. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Servette aussi peu dangereux offensivement. Ce match me rappelle le match à la Tulière, le 4-1, ouais. Il y a 2 ans. Que j'avais aussi commenté, donc j'espère je vais arrêter de commenter contre les clubs vaudois, je pense que ouais. J'étais aussi à la Pontaise contre le Sceaux, je commentais pas mais j'étais en technique donc on va plus faire les déplacements en boycott. Ouais, non. On va plus ouais, non, c'est fini les combats contre le Bois pour moi. Sortie du numéro 5, Boris Cespedes qui cède sa place. Et entrée du numéro 10, Dominique Cornes. C'est Cornes qui rentre, le jeune joueur prêté par Liverpool. Ayman Mayus quitte également le terrain. Et c'est Klepach qui fait son entrée. Klepach qui est un joueur que tu apprécies bien toi. Ouais, Klepach qui est une recrue intéressante hein, pour Yverdon. Lui qui est auteur de 7 buts et 16 passes décisives en 32 matchs l'an passé en première division slovène. C'est une recrue intéressante. Hein. Mm-hmm. Et, on n'aura pas l'occasion de le voir très longtemps. Mm-hmm. Mais ouais, quelques recrues de qualité pour le club vaudois cette année. Avec Baron. Baron qui centre et ce ballon qui arrive sur une tête, c'est celle de Rodelin, mais qui n'arrive pas. Toujours pas de tête servettienne qui arrive à. Aucun servettien n'a réussi à reprendre une tête. Mm-hmm. Cadré, je dirais, sur ce match. Que les occasions étaient. Hormis le tir de Doulin, je crois que le tir de Doulin est le seul tir cadré de la seconde période hein, pour Servette. Ouais. Touati, longue transversale de Touati qui. Bon, c'est un peu téléphoné. Hein. Poteau de corner. Il y aura donc un dégagement pour Martin et pour Yverdon.
très compliqué. On se répète, hein, mais c'est vrai que le match de Servette est vraiment pas au niveau auquel on attendait. C'est pire que... j'ai tendance à dire que c'est presque encore pire que contre le slow. Oui, c'est pire que contre le slow. Évidemment, le score est nettement moins avantageux, mais au-delà de ça, l'impression de sérénité des Servettiens n'est absolument pas présente, en tout cas. Toujours 1-0, en tout cas pour Zurich face à Saint-Gall. La Guimeneau à 30 mètres qui ne se comprend pas avec Toiti. Oh là là, faute de Rouillet, ouais. De Rouillet. Ou est-ce que c'est une douche simplement? Ouais. Mais dans tous les cas, Zurich qui mène toujours 1-0 face à Saint-Gall dans l'autre partie de Super League, hein, qui a lieu en simultané. Écoutez, Zurich. Oui. Et du coup, Yverdon qui viendrait 5ème, hein, avec ce résultat. À égalité avec Saint-Gall et un point devant le Servette FC. Et oui. Ouais. Non, c'est vrai que Yverdon aussi revient à la hauteur de Saint-Gall, et qui est dans le groupe de tête des 6 premiers. C'est un bon début de saison de la part des Vaudois. Baron avec Séverin. Cogna qui joue sur Rodelin contre la poitrine, intéressant, et il n'arrive pas à se comprendre avec Hussein Toiti. Le ballon qui va sortir en touche, Toiti qui lance Rony Rodelin. Bon ballon de Rony Rodelin pour Cogna, et Cogna qui rate le ballon. C'est dommage, il fait pas une mauvaise entrée Rony Rodelin. Non, il essaie en tout cas. Pas plus mauvaise que les autres en tout cas. C'est... J'aime bien ce qu'il tente d'apporter. Kuteza qui joue dans l'axe pour Crivelli qui arrive à décaler Cogna, centre en retrait. Non, Rodelin, et c'est 3-1. Voilà, 3-1. Rodelin qui est récompensé de sa bonne entrée. 3-1 pour les Servettiens. Il reste 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Quelques-unes de plus probablement dans le temps additionnel. Pas non plus pléthore, je dirais. Peut-être pléthore. Un total de 6 minutes à jouer. Bon, bah 3-1 peut-être. 3-1. Est-ce que ça change quelque chose? Pour l'instant pas. C'est sympa que ce soit René Rodelin qui est marqué aussi. Est-ce qu'on a peut-être un petit espoir? C'est très 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 tard pour se réveiller. Mais sait-on jamais. Maintenant Yverdon doit blinder derrière, si on peut dire. Ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'ici. Donc sans le faire, ils ont réussi à bien verrouiller le jeu servettien. Alors maintenant s'ils s'y mettent, je sais pas ce que ça donnera. Peut-être la Klepach qui garde la possession du ballon, qui peut revenir. Ils vont faire tourner. Hein. Bien sûr, ils ont tout intérêt à faire tourner. Ils ont tout intérêt, c'est clair. Mais ça va être au moins sauve l'honneur grâce à Rony Rodelin qui marque un but. Alors que là, ça part en contre. Attention. Bonne défense, ça, de ballon. Bon retour. Là, les Servettiens sont tous vers l'avant. Hein, pas. Le bloc est vraiment coupé en deux. Là, Rouillet qui reste aux avant-postes aussi. Et là, ça part, ça se projette rapidement avec Rodelin qui peut la mettre pour Kuteza. Kuteza sur le côté gauche. Kuteza face à Rodriguez et Sautier. Kuteza qui passe. C'est toujours Rony Rodelin. Rony Rodelin pour Ondua. Ondua qui remet sur Rouillet. Rouillet bien offensif. Rouillet pour Baron. Toute l'équipe est dans la moitié de camp vaudoise. C'est un centre de Baron, ça revient dans aux 30 mètres. On tire de Kuteza qui est contré. Attention, Crivelli au but, qui garde ce ballon. Kuteza. Kuteza qui cherche une solution, c'est mal donné. C'est dommage. Peut-être que si ça arrête marque maintenant, nous aurons le droit à une fin de match de folie. Traditionnel de folie, mais c'est. Ça semble quand même le temps de presse, le temps de presse là. Alors que là, les Yverdonnois ont pu se dégager. Et c'est Crivelli c'est bien joué de la part de Crivelli. Crivelli pour qui décale sur Guimeno qui peut la glisser à Toiti. Toiti qui provoque, Toiti qui perd son duel et Toiti qui obtient un corner. Allez, il faut marquer sur ce corner pour espérer encore quelque chose dans ce match. Et on va garder un œil sur le quatrième arbitre pour voir combien de temps additionnel sera. Ouf, attention, énorme contact entre Crivelli et Kevin Martin. Et Crivelli qui va prendre au minimum un avertissement. Attention si ce n'est plus.
Et Kevin Martin qui a tout intérêt à rester au sol. Hein, si, et c'est un carton jaune pour Enzo Crivelli. Ouais. Si, si ce n'est rien de grave, évidemment. Ouais. Hein, Là, le rythme. À mon avis, c'était la dernière qui sonnait pour le Servette FC. Ce ne sera pas aujourd'hui. Ouais. Ils vont nous faire un miracle et aller chercher un point. C'est dommage. C'est dommage et ça va être qui. Mais comme souvent, le 5 minutes de temps additionnel annoncé par l'arbitre. Temps additionnel, 5 minutes au minimum. Probablement une à deux minutes de plus le temps que Kevin Martin se remette de ce très gros choc avec Enzo Crivelli. Mm-hmm. Mais bon, c'est très peu de temps pour aller marquer encore deux buts. Ouais, non, ça paraît compromis ce soir pour le Servette FC qui du coup devra gagner face à Young Boys à Genève le 3 septembre prochain. Je pense qu'on peut parler de victoire obligatoire. Hein. Bah une défaite de Servette contre Young Boys signifierait le début d'une mini crise au Servette FC. Hein, en dehors de cette qualif. Ah, alors que un potentiel carton rouge éventuellement, l'arbitre qui est en train de visionner la VAR. J'imagine mal un pénalty sifflé sur cette confusion, donc peut-être un carton rouge pour Enzo Crivelli. Encore un cette saison. Le deuxième et le troisième ou le quatrième. Trois ou quatrième. Quatrième carton c'est rouge. C'est énorme. Hein, c'est complètement fou. Ouais. C'est un peu trop. Même si on aime beaucoup Enzo Crivelli, c'est vrai que ça fait beaucoup. À mon avis, c'est pour ça. Hein. Ce sera carton rouge pour Crivelli si l'arbitre. Si Lionel Tudy décide de donner ça. Et l'arbitre qui a pris sa décision et qui décide de faire jouer. Ouais. Ce sera pas de carton rouge, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Servettiens. Ah là là, c'est pas rassurant tout ce match et on est très heureux qu'il se termine bientôt parce que pas qu'on aime pas votre compagnie mais disons que on préfère arrêter l'hémorragie maintenant. Quoi. Alors qu'il reste probablement quelque chose comme 4 minutes à jouer avec le temps déjà perdu avec cette blessure. Attention ce ballon qui revient là sur Rodriguez. But, hein, qui servirait de. Et là ça peut repartir. Il faut aller rapidement vers l'avant là. Avec Konya qui distribue. C'est mal distribué. Heureusement Kuteza récupère. Kuteza qui peut aller provoquer avec Rodelin bien excentré sur le côté gauche. Rodelin hein, qui va peut-être tenter quelque chose. Non, Rodelin qui doit revenir sur Ondua. Ondua pour Kuteza. Kuteza aux abords de la surface, côté gauche. C'est extrêmement bien joué de la part de Rodriguez qui récupère un ballon d'une façon très subtile. Et l'arbitre qui devrait pas tarder, je pense, à siffler la fin de ce match. Hein. Ouais, c'est. Je pense que. Attention à la contre-attaque d'Yverdon. Attention, on va pas prendre ce but. La frappe de Cornes et ça va être dans les bras de Joël Mal. Joël Mal qui va tenter de relancer rapidement. Seul à mi-terrain, Joël Mal qui l'a vu. Et Barry qui est bonne, un hein. peu envoyé au casse-pipe. Oh, son gros duel là, de nouveau entre Sautier et Kuteza. Et ce ballon qui revient jusqu'à Kevin Martin. Ça va être directement pour Kevin Martin. Et l'arbitre qui va gentiment siffler la fin du match. Non, pas encore. Ouais. Est-ce que monsieur Tudy. Nous sommes à 93 minutes 20 de jouer dans cette rencontre. Ça devrait pas tarder. Encore 1 minute 40 de temps additionnel. Peut-être un peu plus s'il veut récupérer le temps où Kevin Martin était au sol. Mais je pense que. Que ce n'est pas nécessaire. Bah non. Je pense que là, s'il n'y avait qu'un seul but d'écart, je pense que l'arbitre l'aurait fait. Avec ces deux buts, on ne voit pas trop l'intérêt, honnêtement, de laisser une minute supplémentaire. Et là, Toiti qui peut provoquer, Toiti seul dans la surface, Toiti qui frappe, c'est et dans les gants Martin, de Kevin Martin. Ça n'est pas passé loin du 3-2, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Et l'arbitre. Qui met le sifflet à la bouche, qui ne siffle pas. On va laisser peut-être la dernière occasion à Yverdon sur ce contre. Alors que et là, Cornes qui va être bloqué par Steve Royer. Klepach est largement hors jeu. Il se replace. On
Ouais, je pense que ce match va se terminer sur le score de 3 à 1 en faveur des Vaudois. Ouais, une réduction du score assez anecdotique des Servetiens, une bonne entrée globale de Rodelin qui est récompensée par ce but. Ça va lui faire du bien à Ronny Rodelin d'avoir marqué aussi. Ouais. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué en match officiel. Ça faisait seulement deux buts la saison passée, si je me trompe pas. Ouais, il avait marqué un but contre Nyon en Coupe de Suisse et contre Saint-Gall en championnat. Mais Saint-Gall, c'était pas le match. Championnat lors du premier match. Ouais. C'était en 32e de finale de Coupe de Suisse. Faute à mi-terrain de Guimeneau. Attention, ça chauffe un peu. Non, c'est bon. Son dernier but était en 32e de finale de Coupe de Suisse contre Nyon. Ouais. Sur la victoire 4-1. Ouais, beaucoup de frustration chez nos joueurs. On le voit avec Guimeneau qui semble frustré de ce match. Hein, on le comprend. Nous aussi. Ouais, nous aussi, ouais. Avec un et là, centre, attention, c'est goal. 4 à 1 pour Yverdon avec le nouvel entrant, Klepec, le croate qui vient mettre ce quatrième but. Il joue en Slovénie, il était croate. Il était en championnat slovène, mais il est bien croate. Ouais. Okay, ouais, j'ai cru que tu mélangeais les deux pays, c'est pour ça. Excuse-moi. Bon, bah voilà, c'est. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On va, ouais. Du côté de, le match de cette rencontre. Probablement être sifflé dans la foulée, la fin du match. Pas grand chose à dire. Victoire méritée d'Yverdon, au match insuffisant de la part des Servetiens. 4 minutes de jeu, but pour l'équipe Tiberon Sport FC. Aïe. But inscrit par le numéro 97. C'est une petite correction qu'on reçoit là. Ça, ouais. Un coup sur la tête, ouais. Hein, côté Servetiens. Yverdon Sport FC 4. Ça vient mettre l'arbitre qui n'a pas de froid sur ce début de saison côté Servetien. Ouais. L'arbitre et qui n'arrête pas encore le match. Ne siffle toujours pas. Avec Séverin à présent, Séverin. Servette qui continue d'attaquer. Cogna, centre de Cogna. De l'autre côté, la tête, le centre. Non. Non, selon l'arbitre. Ouais. L'arbitre ne réagit pas, donc pas de main. Et il laisse la touche pour les Servetiens. Ah, peut-être une review de la VAR. Ouais. On pourrait avoir encore un pénalty côté Servetien de nouveau. Ce serait anecdotique, juste pour réduire ce goal average qui peut être important en fin de saison. On sait que certaines fois, des places se sont jouées au goal average. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y aura pénalty? C'est... Non, pas de pénalty. Ouais. Et remise en jeu pour les Servetiens. 97e minute. Anthony Baron qui va effectuer la touche. Ça va être dégagé de la tête par Gunnarsson. Et c'est terminé. 4-1 donc pour Yverdon ici à Neuchâtel. Pas grand chose à ajouter. C'est un match. Le Servette FC va revenir avec 0 points d'un déplacement à Neuchâtel. Contre Yverdon, c'est un mauvais, voire très mauvais résultat quand on prend en compte les adversaires qui nous attendent et ce début de saison dans lequel on peine à marquer des points. Rien ne va en s'améliorer en tout cas. Donc on attend beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux de cette équipe et surtout pas aller perdre 4-0 contre Yverdon. Ouais, non, c'est clair. Et Servette qui doit se reprendre rapidement pour espérer lancer réellement sa saison, cette saison qui peine à se lancer en championnat. J'ai l'impression qu'elle est toujours vraiment pas encore lancée, comme tu le dis. C'est ça qui est le plus frustrant, sachant qu'on a déjà vu de quoi étaient capables nos Servetiens et que ça ne se manifeste pas en championnat, même pas un peu, avec maintenant désormais 5 matchs, 3 matchs nuls, une défaite, une victoire. C'est un maigre bilan des Servetiens, c'est dommage. Tout ce qu'on va pouvoir vous dire, merci de nous avoir suivis. Merci, ouais. Le prochain match aura lieu dimanche 3 septembre à 14h15 au stade de Genève, prise d'antenne à 14h donc, pour le match entre Servette et Young Boys. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne fin de journée, bonne soirée. Et on se voit la semaine prochaine. Au revoir. Merci.